Ok, Lena, 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 dernière question, d'accord? Veux-tu goûter ma banane plantain? Pas du tout. Quoi? Sale gros porc. Tu veux goûter à ses doigts? Oh bah lui il veut bien, hein, moi je te dis. Oh, c'est Ernest, quoi? Je te jure, t'es un bâtard. Amis de mes amis, ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franprix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, bah l'écoute ta vie. Les frères, on la dalle en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des édicts, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7, mais les lits trop à l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des aspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend de la pregunta, elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Cognot, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as 4 levées. Caisse, je veux une grosse caisse. Frotte, frotte le bas de caisse. Frotte, frotte le bas de caisse. Hestes, abalé, hestes. Salam. Salam, ça va ou quoi, Roya? Elle s'appelle Naza, la voiture. Alhamdoulilah, t'es où? Là, je suis niveau armurerie près de Vinewood. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà, laisse tomber, lourd passif. J'étais en moto, bim, accident. Moto qui explose, moi, Arba t'emballe. Quoi? Mais pourquoi t'es là-bas? J'allais faire le sac de bandage. Je vais pas faire tirer un peu d'argent. Attends, mais t'as fait la transaction balasse ou pas? Non. Vas-y, je viens te chercher, croyant, j'arrive. Vas-y. Direction EMS. Hôpital. Faut que j'achète des bandages. Combien? 33. 33? Ouais, c'est quoi, l'âge du Christ? Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est ça, l'accident? Bingo. Et il s'est passé quoi? Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, Roya? En fait, c'est très simple. Je roulais tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait priorité à droite. Mais la priorité à droite, le mec, il m'a pas laissé la priorité. Et bim! Il me rentrait pas. Priorité au plus lourd, Roya! Priorité au plus lourd! Ouais, mais ça, je savais pas, moi! Ah ouais! Oui, ma fille. Ouais, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Attends, elle m'a pas vu, vas-y, vu. Va. Coucou! Ça va, Hamid? Ça va? Le plan a échoué. Faut ah ouais, bah une tentative, attends. Vas-y. Ah oh, Ifi! Ah, Ifi! Ça va ou quoi, Ifi? Non, c'est bon, vas-y, tu peux nettoyer. C'est bon, allez, salam, Ifi. Quoi? Ouais, dis-moi. Vas-y, ça marche. Oh, oh, oh. T-Fuck! Ouais, ça fait grave longtemps. Ça va quoi, Bibi? Tu vas bien? Mais ouais, ça fait longtemps, wesh. Tu deviens quoi? Vas-y, t'as trouvé une chaîne? T'as trouvé une chaîne ou pas? What? Bonsoir, madame. Ouais, sali. Excusez-moi, ouais, je t'ai caressé. Venez, ça vous dérange qu'on discute un tout petit peu? Mais c'est Mia là? C'est Mia? Encore une fois, c'est toujours Mia, oui. Ça va quoi, Mia? Oh, hey, Sally, ça va ou quoi? Putain, t'es trop mignon. Ouais, hey, regarde, hey, c'est mon chien. Je te prends mon chien. Oh, wow. Ça, c'est pas mon chien. Alors, comme ça, je suis ton petit pantéro. Hamid, reste tranquille parce que d'un jour je vais t'attraper, je vais te casser la cabeça, mais tu vas rien faire du tout. Hamid, c'est le roi de la ville. Puis le roi de la ville, bien sûr. Mais regarde, t'es pieds nus déjà, Roya, pourquoi tu nous parles? Voilà, oh non, c'est le roi de la ville, Roya. Petit, quand tu seras toujours mon petit, ok. Espèce de trou de balle ovale, qu'est-ce que tu fais? Trou de balle ovale. Je vais montrer c'est quoi le respect au barrio. Eh ouais, Hamid, Roya. T'as pété un câble, Hamid, tu veux que je te casse tes dents, Hamid? Vas-y, mosquito, combat. Hamid, attends, mais déjà faut les bandages, on est venu pour les bandages. C'est vrai. C'est chaud, tu fais des ombres chinoises? Des ombres chinoises? Vas-y. Vas-y, tu vas en faire, vas-y. Vas-y, attends, regarde, je fais le papillon, regarde. Regarde là, attends, touche mon doigt. Attends. Touche. Presque. Attends. Allez, vas-y. Non, mais touche, vas-y, touche. Court-circuit, vas-y, tourne. Mais touche. Touche. Allez, tombe. Tombe, Hamid, tombe. Vas-y, il est nul, ton pote. Voilà. Est-ce qu'il a pas l'habitude de faire les jambes chinoises? Il fait plus les jambes japonaises, coréennes et tout. Ouais, voilà, tout ça. Attends, il y a le répé des chefs. Alvaro, pieds nus au calme. Ça va, quoi? Ça va, préfet, ça va. Si, tranquille, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre jour saint aujourd'hui? Non, pourquoi? Ah, okay. Parce que les Aztecas, en fait, le mardi, c'est mardi saint, ils sont pieds nus. Ah, bah nous on est toute la semaine pieds nus, là on est en guerre, c'est pour ça. Ah ouais, toute la semaine c'est la semaine sainte, quoi.
Voilà, la semaine où on va tirer sur tout le monde. Bon, vas-y, vas-y, force alors. C'est... Par là, comme ça on te tire dessus. Comme ça on va un peu te calmer. Tu veux me tirer dessus? Bah vas-y, tranquille, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, bon, on y va là, on a des trucs à faire. Vas-y les gars, force, bon courage. On est un peu sur ça. Ah, je suis avec attention, je vais m'occuper de lui. Toi j'étais à l'œil, toi j'étais à l'œil. Pas elle, pas elle. Toi j'étais à l'œil. C'est qui elle? Ah, Clay, je te présente Hamid. Salut, ça va? Ben super, et toi? Je te présente Hamid. Ça va, Hamid? Moi c'est Hamid, et vous? Moi c'est Docteur Clyde. Ouais, les docteurs, ouais. Comment t'as dit, Docteur Clyde? Ça va, et vous? Je peux te parler vite fait en aparté? Oui, oui. Dis-moi, Hamid. Ah, je suis tombé sous ton charme, Clyde. Oh là là. Hamid, attends, Hamid. Relève-toi, homme, relève-toi, homme. On parle pas de toi. Tourne-toi. T'es sûr, là? Voilà. Oh là, la petite coque sur les fesses. Ouais, écoute, vas-y, dis-moi. Hamid, il est en galère de fou, tu vois. Et j'ai envie que tu lui fasses croire que vous êtes en couple. Ça, est-ce que ça match pour toi? Je suis mariée. Écoute, c'est pour le business, regarde. Tu fais ça pour moi et je te prends un... C'est quoi, c'est niveau 3 le magazine que tu m'as envoyé là? Je te prends Est-ce que tu l'as lu mon Je l'ai lu, il y a kidnapping, il y a plein de formations que j'ai bien aimé, j'ai bien kiffé. Et bah pour lui, je veux un niveau 3. Parce qu'en fait, il est trop doux. Tu vois, je le compare souvent à une éponge. Tu vois, une éponge, il y a deux côtés. Il y a le côté doux et il y a le côté harsh. Et lui, c'est le côté doux. Moi, je veux qu'il soit harsh, tu vois. Je veux qu'il soit dur. Donc, tu veux que je le torture au niveau 3? C'est ça. Mais j'ai envie d'abord que tu le mettes en confiance, que tu l'appelles chéri, mon doudou. Tu connais, tu sais comment faire avec les hommes. Bah, tu connais, ouais. Oui. Ben voilà, tu vois, tu lui as mis une claque sur les fesses, il est reparti, il était content. Il est venu en boitant, il est reparti en sautant. C'est grave quand même. C'est ça, les hommes. Les hommes faibles. Ouais, les hommes faibles. Les hommes faibles. Bah oui, c'est un homme faible lui, donc c'est un petit casse-dalle pour toi, c'est rien ça. Mais faudrait que tu me payes. Bah oui, je vais te payer, bah évidemment je vais te payer. Mais avant la séance. Et bah attends, déjà faut qu'il tombe sur ton charme déjà de base, et après je te paye la séance. Vas-y. Okay, je vais faire ça quand? Je sais pas, attends, je te passe son numéro déjà, ok? C'est les détails que je te donne si tu veux l'utiliser contre lui. Ouais. Il est arrivé deuxième à Mister Los Santos, donc tu peux le flatter par rapport à ça. Ok. Vas-y Clyde, je te fais confiance. Vas-y, bon courage. Vas-y. Habille-toi un peu aussi, wesh, ma sœur. Comment ça, ma sœur? Emma, tu mets pas de pantalon, Orti, c'est quoi ça? Orti? Ça a changé, oula. C'est quoi, Orti? Non, les orties. Les orties peuvent te piquer les jambes, c'est pour ça. Non, t'inquiète, j'ai jamais mal, moi. Jamais mal. Non. Vas-y, ça marche. Allez, bon courage, force. Vas-y. Starfalla, c'est pas Rojo, ça. Mieux. Oh là là, c'est Momo, ça, je le reconnais, ça va? C'est un de mes gars, ça. C'est qui, ça, monsieur? Je connais toi? Non, tu connais pas. Non. Il s'appelle Enna, c'était un client, nous. Ouais. Ah, claro. Ça va, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ah, et la ceinture, elle a fait retour dans le courant d'air. Non, par rapport à votre tête, par rapport au maquillage, tout ça. Du coup, c'est bon pour vous? Ok, c'est bon pour nous. Bah oui, ok, d'accord, sûr. Bonne soirée, au revoir. 3-3. Ouais, 3-3. Oui, Dr. Clyde, comment allez-vous? Ouais, ça va et toi? Dis-moi, tu fais un peu de sport ou pas? Non, je t'avoue que ma main, elle a un petit peu. J'ai un peu mal, tu vois. Ouais, t'as le cul musclé. Ouais, j'ai contracté, ça c'est tout. Tu sais que tous les matins, je fais minimum 100 abdos, 100 pompes et 100 squats. Waouh! Oh là là, j'ai fan. Non, lève-toi, t'as encore rien vu, voilà. J'ai rien encore rien vu. Tu veux que je te montre? Oui. Ok, laisse-moi poser mon sac. Regarde. Oh, star, bah, dis-moi. Bah, on s'arrangerait, t'inquiète. C'est pour quoi même? C'est pour qui? C'est quoi? Mais public, t'inquiète. On verra. Je vais discuter avec toi. Je vais faire la petite facture. Réponds-toi, t'inquiète, je t'en sens rien. Pourquoi il y a un zombie dans l'hôpital, les gars? C'était pas royal. Pourquoi il y a un zombie? C'est pas royal. T'inquiète, bébé chou. Mouah, vas-y, bisous. Viens. Hamid, miaou. Je dis maintenant. Oh salam. Monsieur, je peux vous aider? Pourquoi une voiture de plus devant notre hangar?
Des voitures de quoi? Une voiture de Hnouch, ça sahbé. Où ça? En l'autre hangar, voilà, à 4x4. Jure? Voilà, vas-y, viens, viens, viens. J'arrive. Une voiture de flic de notre QG. Ouais, c'est pas ouais, là, d'aller dedans, j'ai inscrit une chose ou quoi? J'arrive, j'arrive, on vient de chercher, croyant. Ah, t'as vu comment j'ai. Elle a vu comment j'ai. Elle a vu. Ouais, j'ai pas compris, Clyde, d'un coup, là, comment ça te collait comme ça? Ouais, je vois. Quand elle a touché les fesses, elle a vu que c'était. Elle ouais. Disait à Tony, Tony lui a dit ouais, en fait, j'ai pas encore vu avec toi les tarifs pour l'unicorn, je sais pas quoi. Elle, elle lui dit quoi? Elle dit privé, public, ami, pas ami, je sais pas quoi. Roya Andek, hein. Je te jure, appelle-la. Dis-lui, c'est quoi cette histoire d'unicorn et tout? T'as pas son numéro? Moi, j'ai son numéro, Roya. Vas-y, donne. Ah ouais, Roya, moi, j'ai pas vu que tu t'embarques encore dans une relation et Zama te crache dessus. T'es un vrai, c'est quoi le numéro? Je vais 45 52 70. Salut, comment ça va? Non, ça va pas. Attends, faut qu'on parle, toi et moi. Comment ça? Apparemment, tu danses à l'unicorn, les tarifs, tout ça. C'est quoi l'histoire? Tu te fous de ma gueule? Il a collé à peine. Fous clairement de ma gueule. Attends, ça veut dire quoi? C'est quoi les tarifs? J'ai pas dit avec toi les tarifs pour les danses. C'est un travail comme un autre. Ouais, mais non. Attends. C'est quel type de danse? Non, mais dis que t'étais une prostituée. Mais c'est quel type de danse? Efface mon nul. Non, de quoi? Comment ça efface mon nul? Ça y est, c'est bon. Comment ça, Roya, wesh? Roya, elle m'a dit, ouais, c'est pour les hommes fragiles et tout. Moi, je danse. Je lui dis, attends, c'est quel type de danse sensuelle? Efface mon nul. Mais ça dépend, Roya, sensuel. Bonsoir, vous êtes sur la messagerie de monsieur Hamid. Laissez un message après le bip. Sauf si vous êtes une pite. Si vous êtes une pite. Roya, déjà t'as pas remarqué, elle était en porte-jartel, elle a même pas de pantalon, Roya. J'ai pas vu. T'as pas vu qu'elle était en porte-jartel? C'est pas le premier truc que je regarde, j'ai pas de voiture, regarde. Mais Roya, non mais ça se voit quand une personne elle est à poil quand même, Roya. C'est... ton œil il est attiré directement par la peau, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, wow, mais attends, elle m'a dit ouais, danse sensuelle comme si c'était normal, ouais, tu sais. Sensuelle, ben Ali. Salam. Ça va ou quoi? Quoi, ça fait très bien ambiancé. Je pense qu'on va organiser, Miss Los Santos. Parce qu'il y a eu Mister Los Santos, mais il n'y a pas eu Miss Los Santos. Ouais, c'est vrai, mais ouais, est-ce qu'il y aura des Miss beaucoup d'amants en ville? Roya, quand même, il y a quand même pas mal de Miss, Roya. Il y aura peut-être sûrement des Miss qu'on connaît même pas, Roya, qui vont débarquer. Ah, là. Tu veux faire ça ce soir? Non, on va aller voir le Weasel déjà, on va organiser ça. Ah non, Roya. Non, il faut organiser ça au moins une semaine à l'avance, Roya, sinon c'est mort. On a des armes de candidats et tout. Jean, ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Écoute, j'ai une idée en fait. J'aimerais bien organiser, tu sais, Miss Los Santos. Ah ouais, bah carrément. Mais du coup, j'aurais besoin du petit affiche avec des petits flyers, ouais. Etc. Tu vois. Ouais. Et bon, après, pour la date, je sais pas encore. Je vais voir avec mes potes, tu vois. Mais. Ok. T'as une idée un petit peu de ce que tu pourrais afficher comme. T'as besoin de photos? T'as besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Non, en vrai, je sais pas, sauf si t'as des meufs en tête, mais on peut faire un truc assez... Tu vois, t'es pas obligé de mettre des têtes de gens, vu que c'est... Genre, je peux trouver par exemple une belle meuf et je la ramène, et comme ça, tu fais des shooting photos, c'est quoi. C'est ça, oui, carrément. Pour les flyers, comme ça, ça peut attirer. Ça. Ouais, oui, c'est sûr que tu vas pas ramener Zaz, hein. Vas-y, bah, tu sais quoi, dès qu'on trouve une bonne meuf, et ben on la ramène, et comme ça, tu prends des photos. Vas-y, nickel. Bah, du coup, je t'appellerai pas toi. Mais en gros, si je t'appelle, c'est pour le travail, c'est pas pour le shooting, enfin, t'as capté. Non, non, très bien, oui, t'inquiète. Vas-y, ça capte. La manette, mec, c'est plus jamais ça. Vas-y. Et ta nest, ton mec, c'est une Kenza et tout. Ouais, c'est voilà, t'appelles Jazz, tu vas faire fuir tout le monde, ça. Non, mais les gothiques, ils sont moi, ça rappelle Jazz, ils font peur. Toi aussi. Attends, écoute. Comment ça? Tu t'as saigné le corps, wesh! Mais qu'est-ce qu'ils vont tirer les gens autour de moi? Dis, ouais, t'es déjà une pute alors. Essaye d'être compréhensif, Hamid, essaye d'être compréhensif. Tu peux faire des danses qu'à moi. Pourquoi l'autre il a dit ouais? Ah Zama, c'est une pute personnelle, Zama. Zama. Tu l'as mal configuré à Sarabé, c'est pour ça. Pour les filles que t'invites à danser, tu se foutrais pas un petit peu de ma gueule quand même? C'est qui l'a appelé là? C'est qui le meuf qui l'a appelé? Clyde. Frère, t'as dit belle meuf ou t'as dit sorcière à Sarabé? Non, mais là c'est juste par hasard qu'elle l'a appelé. Zama, j'ai des danses privées que pour moi. Zama, t'as cru que j'étais un garçon facile? T'as cru que j'allais payer moi? Oui. Mais Zama, t'es qui pour que tu payes pas, Sarabé, bizarre? Voilà, quel est que j'ai payé? T'es qui, Sarabé? Les gars, vous connaissez une belle meuf ou pas? Moi, une pile, c'est mort. Quoique, une pile, c'est en vérité. Non, pile, c'est Sarabé avec son balai sur la tête, c'est mort. Vas-y, attends, je vais l'appeler. Non, mais tu sais quoi, appelez chacun une meuf de votre côté, après on se met d'accord, vas-y. Anna, mais je crois qu'il est marié et tout. Oui, allô? Hein? Ouais, merci de m'avoir appelé, Roya. Voilà, ça fait plaisir, mais... Hey, tu crois que je suis une meuf facile ou quoi? Je revis, laisse-moi tranquille. Roya, j'ai appelé dans mon répertoire Anna EMS, Roya.
Ah, donc t'es devenu un AMS toi, Almstrant, hein? Ah, tu veux me pêcher? Ah, hein, bon! Hey, bonhomme, je suis pas un garçon facile. Vas-y, voilà. vas-y. Je suis bon, c'est quoi, wesh? Oui, allô, Anas! Ouais, allô, Chelsea! Ça va et toi, Chelsea? Comment tu vas? Ça va, Anas, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu fais quoi? Bah là, je fais une soirée. Enfin, un mec qui fait une crémaillère, quoi. Jure, vas-y, invite, c'est où? Ah, tu veux que je t'envoie? Mais y'a pas grand monde, hein? C'est pas grave, c'est pas grave! Ok, bah je t'envoie à l'endroit alors. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Eh les gars, j'ai appelé Chelsea, il faut une crémaillère dans un appartement, venez, on y va. Merde qui revient toute la merde. Tu fais quoi toi là? Bon, viens là toi. Oh là. Bah toi aussi dégage. Oh là, dégage. Jiu-jitsu thaïlandais. Chiche. Aïe. Oh le ski, voilà. Ah moi j'ai vu. Il la prête même pas. Écoute. Eh, c'est pas ton objet. Si Alban est d'accord, elle est d'accord. Fin de l'histoire. Commence pas à faire le fou. C'est ma femelle à moi, c'est pas vous. Wesh, il est fou lui. Appelle Alban devant lui, wesh. C'est à moi, c'est pas vous. Elle est à la porte. Oui, d'accord. Eh les gars, venez, on va à une crémaillère. Il y a des meufs. Enfin, j'espère. Toi, t'as un gars, tu veux aller à la crémaillère. Je veux y aller. Vas-y, attends, t'as rien. Fais gaffe, c'est mon véhicule. Jure, c'est le véhicule de Jibril. Bah oui, frère. Dis Oula. Non, dis Oula. Jure. Oh merde. Putain. Il est youtubeur ou quoi lui aussi? Il y a Chelsea, on va essayer de le mettre dans le coup. On va dire de venir avec nous aux Alliés. Elle a un beau visage ou pas? Je sais pas, j'ai oublié frère. Eh fille, dis-moi une question. Sur une échelle de 1 à 20, tu jugerais comment en termes de beauté? Tu sais pas? Comment ça tu sais pas? Voilà, c'est qu'elle a pas confiance en elle, Sylvie. T'es pas meuf qui dit, je sais pas. Les gens ils te disent quoi généralement quand ils te voient? Ils disent ah. Non, ils font des compliments, c'est quoi les compliments que tu fais pas attention? T'es gentil. T'es gentil. T'es attentionné. T'es quelqu'un de gentil. T'es mec de l'intérieur, Sylvie. T'es comme ma sœur. T'es serviable. Voilà. T'es comme ma sœur. T'as une voiture, t'as de l'argent. Et puis t'as des tatouages, des trucs comme ça ou pas sur toi, dans ton corps? Ah ouais, à quel niveau des... Ouais, t'as des questions cheloues, regarde. Voilà, t'es bizarre, ça. À quel niveau? Non, en fait, je voulais faire un shooting photo, mais il faut... Mais t'es moche, dis-lui, t'es moche. Ouais, en fait... Non, dis-lui, t'es pas assez belle. Non, dis-lui clairement, t'es pas assez belle. Malheureusement, ouais, en vrai... Ah, dis-lui, tu réponds pas aux critères. Tu vois un 12 sur 20. Oh... Désolé, non, c'est fort, je sais, c'est pas évident. La crémaillère, c'est la crémaillère. Je dirais pas que c'est Adnet. Je sais pas, d'un mec, frère, j'en sais rien moi. Comment ça, c'est Adnet? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, les gars, écoutez, les gars, on lui parle pas du shooting photo tant qu'on sait pas si décider sur la qualité de son visage, ok? Vas-y. Mais déjà, j'aimerais bien savoir c'est qui, parce que ça. Oh, l'embouteillage, je croyais. C'est comment? Là, j'ai envie de lancer un C4, regarde. Oh là là. C'est l'appartement. Attends, l'appartement, mais il est où de base l'appartement? Je sais pas, ça avait vu comment il y a du monde, faut faire la file. Attends, je vais l'appeler, je crois qu'il y a du monde là, quoi. Attends, j'en ai pour le frère. Chelsea, on est dehors là, mais vas-y, il y a un embouteillage de fou, tu peux pas sortir s'il te plaît? C'est quelle maison exactement? Voilà ça, mais y'a tout le monde qui est invité. Ah bah là, tu me vois en haut ou pas là? Je te vois. Ah oui, je te vois. Ouais, c'est la maison. Eh, t'aurais pas un pain de C4 pour dégager tout ça là? Non. Ok, bah vas-y, je vais penser à un autre stratagème, vas-y, merci. Attends, j'ai le numéro d'un mec, il peut tous les dégager les véhicules. Aïe. Et voilà, c'est réglé. Et voilà. C'est la même chose, hein, c'est bien là, moi, c'est... Mais j'ai pas tiré. Je t'ai vu, madame, c'est Chelsea, mais... Attends, regarde-moi.
Ah non mais vas-y, ils comprennent pas, c'est con, tu leur dis de bouger, ils bougent pas, wesh. C'est grave, ça va quoi, Djibril? C'est du suicide, là. Djibril, ça va? Ça va pas, frère. Hello, c'est moi, quoi, Roya? Mais attends, attends, je t'envoie la pause, viens, viens. Roya, il y a des gens, ils ont déménagé devant, je crois. T'inquiète pas, il y a même les flics devant chez nous, Roya. Les flics. Vas-y, viens, je t'ai envoyé. Le paquet là, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas. Il a analysé le paquet. Attends, je vais voir. Je vois que tu saignes là. Donc, je vais te désinfecter. Je vais mettre un pansement. Et ça ira mieux. Le deuxième paquet, ça va pas le faire non plus. Alors. Non, mais ça du va. Coup, Anas, tu sais qu'en quoi t'allais jamais le voir, mais il est là-bas en train de. Vous m'oppressez, messieurs. Non, non, je le vois jamais. Tu vois qui? De quoi? Ton copain? Ouais, ouais. Ouais, ça va, tu le vois une fois tous les 15 jours, quoi. Attends, je veux dire, c'est pas. Ton bled, c'est qui? C'est qui ton mec? C'est Driss, mais vous le connaissez pas, il est là-bas. Ah, c'est un arabe! Ah, t'aimes les arabes? Bah, ça va, Hamid, t'as tes chances, il est où Hamid? Ouais, je crois que t'as oublié qu'on a Los Santos Maghrébine, Zarbi. Ouais, Chelsea, en fait, on voulait te proposer un truc. Oula. Mais du coup, on doit te noter avant. On attend que Kefta arrive, comme ça, on va tous te noter. Quoi, ouais, ouais. Quoi. Ah oui, non, mais c'est un projet sérieux qu'on a, en fait. C'est un projet qui concerne toute la ville. Non, tu sais quoi, vas-y, improvisation. Bon, allez, Chelsea, expliquez quoi? Vas-y, ton meilleur profil, ton meilleur profil. Ton meilleur profil, mais Chelsea, vas-y, pose. Vas-y, donne. Donne tout ce que t'as, chérie. Vas-y, pense au vent. À la mer. T'es un transat. Imagine-toi, t'es un transat. Vas-y, donne tout ce que t'as, vas-y. Arrête de faire l'étoile de mer, vas-y, bouge. Vas-y, fais l'étoile de mer. T'es un dauphin, Chelsea, t'es un dauphin. Vas-y. Voilà, donne tout ce que t'as, voilà. Bouge les mains, sois vive, sois réactive, sois perplexe. C'est ça la vie. Attends, je vais la motiver. Bouge. Voilà, bouge un peu. Oh, tes lunettes, on se tord. Remets les lunettes. On dirait Clark Kent quand on enlève les lunettes. Voilà. Vas-y, c'est ça. Sois animal, sois gris, miaou, sois animal. Sois sauvage. Voilà, c'est ça. Vas-y, bats-toi. Voilà. Là c'est bien. Voilà, sois féline. Voilà. C'est ça qu'on veut. Sois violente. Voilà, c'est beau. C'est pas mal en vrai, le shooting là, il est bien. Tac. Voilà. C'est ça qu'on veut. Tout est dans l'appareil. Mais voilà, là c'est bon. Là c'est pas mal en vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Chelsea? Il y a rien. Attends, Chelsea, tu peux avec qui là? Non, c'est un shooting photo. Ah ouais, voilà, shooting photo. Ouais. Pas mal. On lui a dit soit animal, soit sauvage, monte-nous ce que t'as dans le ventre. Je peux te dire, c'est une sacrée hyène, hein, Chelsea. Hein. Une sacrée chienne? Une hyène. Non, ça c'est grave ça. Les frères en zone. Vas-y, sois féline. Sois sauvage. Grrr, miaou. Fais le dauphin. Elle a le visage, quoi, Sarbi. Ouais, elle a le visage. T'appelles comment, madame? Tu me demandes tous les jours. C'est qui? Mais je te demanderai même après-demain à Mia. C'est Mia? C'est Mia, mais oui. Fais le chat noir. Miaou, fais le chat noir. C'est Mia. Ça va, quoi, tout le monde? On fait un shooting photo. C'est pour Miss Los Santos. Voilà, on est en train de faire un casting, Roya. On n'a pas encore trouvé la meuf qu'il nous faut. Mais elles sont deux, Roya. Bah c'est pas mal, Roya, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc vas-y, là en fait, Miss Los Santos, c'est soit elle. Non, en fait c'est pas ça, Roya. En fait on essaie de trouver une meuf pour représenter, tu sais, sur le flyers, pour que les gars ils viennent. Faut les attirer. Et on attire pas les abeilles avec du vinaigre. Avec du miel. Donc là on essaie de trouver une belle meuf pour mettre sur la pancarte. Ah parce que là, ouais, c'est vrai que là c'est... Donc là faut trouver une belle meuf. Ouais, tu préfères qui? Tu préfères chat noir à droite ou tu préfères Chelsea à gauche? Roya, c'est du bétail ou quoi? Ouais, bah Roya c'est le business, c'est le business, Roya. Ah ouais, Roya. L'indignité. Regardez quoi je ramène. C'est qui? Vas-y, ramène-la, vas-y. Vas-y, dépose. C'est qui? Hop là. Stop.
vas-y, danse, danse. Ah, mais c'est qui? C'est qui? Léna, jure, sois sauvage, sois féline, sois féline. Fais le dauphin, fais le dauphin. Tout ce que t'as. Fais le dauphin. Imagine, imagine, tu vois, t'es une mouche et y a de la merde devant toi. Vas-y, vas-y, fais, fais. C'est quoi ce photographe, regarde, c'est quoi ça? C'est quoi ces consignes? Là pour l'instant, comme finaliste, on a Chelsea et Mia. Eh, on est pas au Congo, wesh, c'est quoi ça, wesh? Danse bien un peu. Ça, c'est danse trop gentil. Tu danses comme une flic, tu danses comme une flic, tu danses comme une flic. Danse comme un thug, danse comme une meuf qui fait des flics. Bah, c'est ça, imagine, voilà, ça c'est bien ça. Danse comme ça, voilà. Voilà, regarde, regarde ton collègue, regarde ton collègue. Voilà. Eh hey, Chelsea et Mia, on va vous rappeler, d'accord? Léna, 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 tu veux pas danser? Voilà, Léna! Voilà! Yallah, les gars, on bouge. C'est toi là? Ah ouais, ouais. Ok, ok, vas-y, vas-y, suis-nous. Vas-y, vas-y. Starfallah. Premier mur en une demi-seconde. Voilà, beau gosse. Oh, un vrai pilote, incroyable, machallah, un vrai pilote. Hein. Ah ouais, comme disait la fouine. Ah, qui peut me stopper à ça? Un mur. Ah oui, je vois ce que. Ok, ok. Ah, on va sur celle-là en fait. Vas-y, vas-y. Waouh, waouh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. La petite danse, la petite danse. Ah ouais, là, Hamid, t'es au max, Roya. Là, oh là, on dirait The Voice version algérienne, Roya. On commence tranquille, d'accord, on commence tranquille. Ok. This is Yazar. This is Ichnez. Allez, allez. Tu m'as un cash prize et une montre, comme ils m'ont fait. Ils m'ont dit une voiture, ils m'ont donné une voiture à 500$. Ils m'ont dit, tiens, je garde là. Mettre une annonce pour toutes les meufs. D'ailleurs, Kifta, oublie pas, t'as pas 10 000$ de custom? Il faut une voiture pour custom, quoi. Ah, bah au pire, viens. Tu sais pourquoi j'ai pas de voiture? Pourquoi? Je suis ramolli. Je suis tombé là. Les gens se me déchit. Le nain et moi. Hey, je fatigue, voilà. Roya, t'es même pas dans le thème là, qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai mis l'annonce à Sarbi. Si vous pensez être prêt, je venais pas. Ouais, mais Roya, t'abuses, Roya. Ouais, d'aller, c'est une annonce, tu vois, je vais demander une annonce. Si vous pensez être prêt, je venais tout de suite le parking, mais ils se vendent. Les gars, sur le parking, y'a personne de frais. Waouh, attends, l'annonce. Ouais, il va faire l'annonce. Bah, y'a l'air déjà, y'a l'air déjà, y'a les frères, Roya. Voilà, ça fait attention. Il est qui a nous on est là, ça va bien au moins. Je suis mort. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils arrivent, Roya, ils voient un mec en jogging, Roya. Un mec, deux mecs torse nu, un mec en rose, tu crois qu'ils vont rentrer, Roya? J'avais de la vie. Ah si, regarde. J'ai dit Hollywood, man, ça va bien, regarde. Hein. Hollywood, man, tu vas voir tous les chiens de la casse qui vont arriver. Regarde, parking handicapé, derrière, regarde, ça commence bien, t'as vu? Ah, ah, si, oh. Si, si. Oh, 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 wow. Oh, 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 madame. Ah, on a dit fraîche, pas pite. Elle a dit que c'est un tournage Hamham ou quoi? Elle, c'est la meuf de Hamid, les gars, c'est la meuf de Hamid. Elle va venir, elle va dire, y'a un cash prize ou pas? Non, c'est elle. C'est la, les gars, c'est... Juste pour info, l'entrée, c'est que pour les femmes, sinon elle est trop bonne. C'est la meuf de Hamid. Bon, bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Ouais, Hamid, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, bon, Hamid. Bonsoir, oui, vous rentrez à la télé, je sur les bandes. Et vous pouvez enlever votre veste, il fait chaud dedans. Oh, ouais. Bonsoir. Allez, je vous prends votre veste, s'il vous plaît. Voilà. Non, 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 seulement les dames. Votre veste et votre béret, d'accord? Bah, je suis lesbienne. Ouais, t'es lesbienne, bien sûr. Va dans le bain. Allez, on va demander que les femmes hétérosexuelles, désolé. Sérieux? Ouais. Bah elle peut pas, hein, non, que les femmes tout simplement. Allez, baisse. Allez, t'as pas l'habitude de te faire recaler en boîte, allez, dégage. C'est pas possible. C'est pour les habitués. Allez, pour allez, va là-bas. Bon, c'est pour les soirées, c'est pour les habitués, monsieur, s'il vous plaît. Dégage. Voilà. Le videur. Le videur, Kefta. C'est le clip, c'est. Mais non, mais il est pas bien là. T'inquiète pas, on va... Mais non, mais c'est... Non. Mais il est lesbienne. C'est mon lesbienne. Non, mais non, mais mon homme, c'est mon gars. Il travaille... Viens. On les femmes, ouais. Monsieur. Mais ça veut rien dire, hein. Je suis mort. Ok, mais moi, je suis dit Onlyfam. Il a fait jaloux, parce qu'il y a l'autre aussi, mais il m'a parlé du striptease, mais au mauvais moment. Essaye de te rattraper auprès de Hamid, parce que là, il est grave jaloux. Non, mais je me suis rattrapé, en vrai. Bah... Il m'a dit tout à l'heure il veut un date et ce date, table d'opération, voilà. Il m'a dit va aller au date et il va se faire torturer. Il va se, il
À se faire torturer level 3. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes, mesdames? Mais c'est quoi le truc? C'est quoi? Tu vas nous faire un défilé de mode? Non, en fait, là, du coup, on aurait Miss Los Santos, d'accord? Et en fait, on va imprimer les flyers. Vous imaginez bien qu'il faut que vous soyez présentable sur les flyers. Donc là, il nous faudrait un beau visage, un beau corps pour essayer d'attirer le maximum de personnes le jour de la compétition. Voilà, tout simplement. Vous allez être un petit peu l'égérie du concours. Non, mais on est bien d'accord que niveau tenue vestimentaire, vous voulez quelque chose d'assez court. Non, mais vous êtes libre. Hein. Même si tu viens en jean là-bas, on s'en fout. Tu vois, il faut que vous soyez photogénique, en fait. C'est tout ce qu'on demande. Après, court, mi-long, mi-cuit, mi-fig, mi-raisin, c'est tout ce que tu veux. Ça c'est pas notre problème. Voilà Catwoman, ça c'est bien ça. Voilà. Mais pourquoi alors je reprends ma veste hein. Non, il fait quand même chaud, t'as pas besoin de veste. Non mais... Vous avez ramené vos copains là ou... Mais non, là il a attrapé ton câble. Ah ton copain il a attrapé ta câble. Ouais, ça bon, avec... C'est et... bon, moi, c'est... je me chauffe, ça y est, allez. Voilà femme forte, femme indépendante Ça va, Chelsea, pas trop stressée? Waouh Je peux vous aider, madame? Ça va? C'est quoi ça? Enfin, ça c'est Jean. Ouais, mais c'est Jean, ça compte. On aura une conversation. C'est ta meuf? C'est ta meuf? T'inquiète. Son ex. Okay, ouais, okay. C'est toi, okay. Mon mec? Bien sûr. Sérieux? Elle a dit, c'est toi, mon mec? Et elle la galoche? Ça commence. Ça va vite. Mais non! Ça commence, on sait jamais si vous voulez faire démarquer maintenant, les filles. C'est maintenant. Donc, s'il y a une de vous qui a envie de faire un truc bizarre, ça m'a pas. Mais c'est quoi le délire? Non mais c'est pas le moment. Il plaît aux femmes, qu'est-ce que tu dis? T'es avec elle? Non, je suis pas avec elle. Ah, un petit peu. C'est toi. Attendez, y'a Octavia qui m'appelle. Aïe aïe, ça commence et tout. Madame Jean, ouais, Jean, ça va quoi? Ça dit quoi, Octavia? Oh, Jean, elle est venue passer un entretien, Roya. Regarde. Ça arrive. On a dit meuf fraîche. Ouais, ah, c'est ta fille. Bon, viens, madame. Mais je te reconnais, toi. Roya, pour les hommes. T'inquiète pas, je vais bien prendre soin de ta fille. T'inquiète, même pas. Elle parle pas sur moi, je te le dis. Pour les hommes, c'est 15 000 $ l'entrée. Écoute. Si ma fille elle rentre, je rentre. Si je rentre pas, elle rentre pas. Elle a quel âge ta fille? Du coup, elle rentre pas. Ouais, elle est mineure ou quoi? Elle a quel âge? C'est carré. Ouais, Derele, ça c'est ma Aïla. Ouais, Isoka, ça va ou quoi? Tu te rappelles de moi, c'est Isoka. Oui, je me rappelle. Isoka. C'est elle la gothique bizarre. La gothique bizarre. Ah ouais, ouais, ouais. Super, la description de la meuf. Miskina, la seule description qu'elle a d'elle, c'est gothique bizarre. C'est carte Pokémon, c'est marqué Isora, gothique bizarre. Même le blast, tu vois, Isora, gothique bizarre. Bon, madame, vous pouvez la trouver à la source de Jadier. Elle est en jus de converse. Toutes les demoiselles. Et alors, elle a plus de tatouages que de peau, Roya. Elle a plus de défauts que de peau, gars. Roya, elle passe pas le contrôle technique Renault, elle est chérie, elle est 96 francs, c'est bon. Qui Salina, Catalina. Voilà, madame, vous rentrez avec la demoiselle derrière, d'accord? Il connaît tout le monde, Hamid. Il connaît toutes les mains. Hamid, tu connais toutes les mains? Vous pouvez partir, hein. Ça y est, c'est pas. Ah, on va organiser un petit dating, Hamid. Jure. Quand ça? C'est quoi, c'est qu'il y a aucun homme qui rentre, t'as vu? Vendredi. Ah, d'accord. Ça te dit qu'on fasse aussi avec Kefta? Mais non, mais c'est dating. C'est pas juste toi, Roya, t'inquiète. Mais non, y'a pas que toi. Bah ouais, y'a pas moyen de regarder. Non, c'est quoi, c'est speed et tu date en même temps? Bah ouais, ça sera le jour du concours, les gars, y'aura Miss Los Santos, là, tout le monde viendra, tu vois. Mais là, c'est juste pour les castings. De toute façon, on a déposé une petite Miss Los Santos. Mister, j'ai déjà fait ça. Oui, mais Mister, mais là, ça va être Miss Los Santos. Ouais, mais t'as perdu parce que t'es moche. Ouais, là, prends tes clics, tes claques et tu te casses. C'est moi qui ai organisé. C'est bon. En plus, bah ouais, bah voilà, il a gagné. T'as comment je suis bon? Ouais, c'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il a du charme. Ouais, j'avoue, c'est vrai qu'il y a un peu. Ouais, les gars, venez, on rentre. Bonsoir, je suis l'agent de Chelsea, monsieur. Quoi? Non. Les gars, y'a que des meufs ici. Kefta sécurité. Kefta sécurité. Y'a 3 mecs à l'intérieur, si tu veux bien les virer s'il te plaît. Ouais, j'arrive tes seuls. Il prend vraiment son rôle à cœur, Kefta.
Bah oui. Ouais, bah, putain, ça m'aurait étonné. Mais tu veux pêcher. Hamid, il y a Clive qui parle au téléphone, elle a dit bah oui, mon bébé, regarde. C'est qui? Rockstar, hop. C'est qui? La sécurité, j'écoute. C'est son copain? Ouais, il faut que tu rentres parce qu'on va fermer les portes là. Ok, je rentre. Arrête de te foutre de ma gueule! On a déjà dit! Arrête de te foutre de ma gueule! Arrête de te foutre! T'as pas une tenue pour moi, Roya? C'est quoi? Mais oui, c'est des jokers ou c'est quoi ça? Bah oui, Roya! T'as dit du joker? Oui! Le remake! Oui, c'est ça! Attends, attends, j'ai pas fini. Attends, Roya, les gants blancs. Attends, là. La petite malade, Zamal Khedman, on va travailler au calme. Chauffe les chaussures. Oh la bismillah. Ah, c'est bon. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Mais t'es moi, on dirait ils font du lèche-vitrine les hommes. Regarde, t'es là. On dirait on est dans un zoo, frère. On dirait on est dans un zoo. Madame, Menor crash. Je le sens pas en fait. Mesdames, vous avez devant vous Mister Los Santos, ok? Donc je suis passé par cette étape. Je sais de quoi je parle, je suis un professionnel dans mon métier. J'ai été Mister Los Santos, sacré Mister Los Santos, champion de France 2017-2018, sacré champion Los Santos à Los Santos même en 2021. Ça lui fait un ventre, et j'ai été appelé pour le film Le beau gosse, comment tu fais s'il te plaît, en 2022, qui sera tourné par Spielberg. Donc, Mais c'est pas toi, lui, non? Il a refusé la médaille de la Légion d'honneur aussi, il l'a refusé parce que ce jour-là il avait mal au ventre, il pouvait pas se déplacer, du coup il a dit non, tranquille. Petite crampe d'estomac, je dis. Bon allez, laissez-la avec un gars. J'en ai marre d'être beau gosse. Là, les jurys, c'est les Mister Los Santos 1, 2 et 3. 1 et 2, 1 et 2. C'est qui le 3? C'est qui le 3? Y'a personne, c'est juste 1 et 2. Mais c'est toi maintenant. Ah oui, ah bah oui, c'est moi. Pourquoi maintenant? Il s'est porté quoi? Vous l'avez tué? Bah j'ai glow up, regarde, c'est tout, qu'est-ce que je te dise. Ah vous l'avez tué Mister Los Santos? Non, je l'ai pas tué, non je l'ai pas tué. Anna elle est demandée à l'accueil s'il vous plaît messieurs. Oh là là, attends, je te laisse passer, Roya, tiens, passe, vas-y. Vous avez cru que c'était pour rigoler, hein? Ouah, de fou. Il est arrivé 68ème à Mister Los Santos. Je vais un peu vous expliquer. Vous êtes ici aujourd'hui pour que la future Miss Los Santos donc sera-t-elle eue? Because it is a me. Aujourd'hui, il suffit seulement du casting, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à une Miss de une chanson, ok? Une ah oui, bah oui. Au hasard. Parce que c'est bien d'être belle, mais faut être aussi performante. Il faut savoir faire des choses à côté. Ramène ta tête ici là. Si on connaît pas la chanson entière, c'est pas grave. T'improvises, on va tester votre talent d'improvisation et tout, il y a tout. Il y aura même un test de QI, un test de culture générale, il y aura un peu de tout. Il y aura un test de Test de non, la chance non. Non, il y a test de musique. Écoutez-moi, test de musique, test de culture générale. Voilà, culture générale. Il y aura le défilé. Et il y a un test de vêtements, voir votre sapologie, elle est comment. Ok, trois tests aujourd'hui. Ah oui. C'est des préliminaires, c'est des tests préliminaires. T'as dit quoi? Pourquoi? C'est pas trop ça. Hein. J'ai l'impression que le test de cul a fait peur en fait. Quoi? Dès qu'on a parlé de culture générale, ça y est, ça commence à être fébrile là. Genre, tranquille. Ce sera des questions gentilles, hein, c'est pas. Tu fais nimp, on s'en fout. Donc, ce qui va se passer, tout à ma gauche, candidate numéro 1, tout à droite, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vous avez compris? Et la dernière numéro 7 qui est Jean. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans là-bas, là? Vous voyez là-bas? Derrière le rideau, derrière le rideau. derrière le rideau, voilà, tout se passe bien. Derrière le rideau. Attends. Préférez commencer par quoi, histoire que vous soyez à l'aise? La musique, la musique. Ouais, la musique, hein. Bah ouais, la musique. On va aller là-bas et on va vous appeler un par un et on va voir. Une par une. Attendez juste un dernier truc pour qu'on soit d'accord. Vous allez tous prendre votre radio, passer sur la fréquence 80, d'accord? Comme ça, on vous appellera une par une. Ok? Puis on peut aller là-bas, sans derrière le rideau. Non, comme ça. Là-bas, tu restes pro, toi. Pro, Zama. Allez-y, mesdames, je vous invite à aller derrière le rideau, nous attendre patiemment. Tu veux pas laisser Zama d'aller à la piste à côté, toi?
Non, juste ici, c'est pas grave, on va pas rien. Là, là, on va les laisser stresser, on va les laisser cogiter un petit peu. Alors, les gars, on juge comment la chanson. Plus c'est éclaté, plus on dit. Ah oui, non, mais clairement, plus c'est éclaté. La sap, pareil, plus c'est éclaté, plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. On est d'accord. Question de feeling, c'est question de feeling, quoi. C'est comme ça. Voilà, on fait comme ça. Bonjour, candidat numéro 1, s'il te plaît, à l'accueil, s'il vous plaît, candidat numéro 1, allez-y. Du coup, c'est Clyde, non ? Candidat numéro 1. Voilà. Madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, moi, c'est Dr Clyde. Attends, il y a une petite croix, madame, s'il vous plaît. C'est pour vous mettre dessus. Oui, il faut la croix, c'est très important, la croix. Alors, moi, c'est Dr Clyde, j'ai 35 ans, et je suis passionné de chimie et de médecine. Et je suis prothésiste-orthésiste. À mes temps perdus, je suis aussi stripteaseuse. Et je suis fan du corps humain. D'accord. Voilà. Super, c'est super. Très bon CV. Très bon CV. Alhamdoulilah. Très bon CV. Je pense que vos parents doivent être fiers de vous. Franchement, comme on dit chez nous, Psartek. J'ai plus de parents. Ah bah tant mieux. Au moins, vous êtes tranquille. De quoi vous allez nous chanter quoi? Je comprends les striptease. Vous allez nous chanter quoi? Madame Clyde, vous allez chanter quoi, s'il vous plaît? Yours de Ella Anderson. Mais j'ai aussi mis une musique dans ma musique. Mais vas-y, je vais chanter à quelqu'un. Vas-y. C'est ton talent. Mais mets une chaîne fille, si tu veux, mais ce que tu veux, vas-y, régale-nous. Je pense pas que le karaoké va plus se mettre dedans. Mais hé! Je sens l'homme. C'est délire, quoi. Je sens l'homme. Hamid attaque. Ça sent les hommes. Je vais faire a cappella parce que... Allez, c'est parti. Tu fais comme tu veux. Away you want to go. The one you left away. So I keep feeling close. To once beyond compare. Oh yeah. But with you I've learned just to let it out. Now my heart is ready to burst. Elle arrive à pointer et à chanter en même temps. S'il vous plaît, non mais c'est quoi ce bordel? Non mais vas-y, continue. Au secours, je veux pas être là. I just want you to be sure. Ça n'a aucun sens. C'est bien, mais il manque un truc, genre qu'on recherche. On n'a pas senti l'émotion, on n'a pas senti avec le khnez normalement qui est dans la gorge, on n'a pas senti le sakh. Donc c'est bien, mais pas assez. Mais c'est bien, peut mieux faire. Voilà. Vas-y, merci. Ah ouais, t'inquiète. C'est bien. Ouais, il manque un peu de... Ouais, mais c'était bien, sinon. C'est fini pour nous. Elle a pas compris. Si, je vais la comprendre. Candidate numéro 2, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, j'arrive. T'es aux toilettes ou comment ça se passe? Non, mais calme-toi, toi. Oh, mon frère, il t'arrive quoi là? Oh, calme, vas-y. C'est une musique, hein, c'est pas un stand de tir. Alors, présentation de la candidate numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. Je m'appelle Mia Alvarez, je travaille au taxi. D'accord. Oui. Et je vais vous chanter ce rêve bleu. Oh là, ce rêve. Non, mais ne dis pas, ne souffle pas la réponse. Mais ne souffle pas la réponse. Mais ne souffle pas la réponse. Mais tais-toi, C'est fantastique. Vas-y, on t'écoute. Les marqueurs quand même. Ah putain. Bah ouais, c'est rêve bleu, c'est... J'ai jamais fait de la vie hein, devant autant de... C'est pas grave. On est quatre. On est quatre. Ouais, mais justement. Ferme les yeux quand tu chantes, ça passera mieux. Ouais, comme ouais, c'est ouais. Ça fonctionne, je crois. J'ai vraiment pas ma place, là. Je vais t'offrir un monde au mille et une splendeur, aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. C'est SP là, quoi, y'a gros moi. J'ai pas chanté vraiment. C'est un nouveau monde en couleur, une nouvelle vie, un paradis, aux 1800 sommeils. Je connais pas la suite.
Franchement, j'aime bien. C'est mieux que la candidate précédente. C'était mieux que la candidate précédente. Je suis désolé. Mais c'est nous les jurys quand même, on sait de quoi on parle. Ça fait 25 ans que je fais ça quand même. Ah oui, il y avait ce qu'on recherchait dans la voix, il y avait du khnez, il y avait de l'acide, il y avait du vinaigre, voilà. Il y avait un peu de tout quoi. Il y avait une salade niçoise dans la gorge, c'est ça qu'on recherche voilà. Nous. Il faut jamais remettre en doute. Il faut jamais remettre en doute tes capacités. Il y avait de l'émotion, voilà. Il y avait de la dépression, de l'anxiété, il y avait du stress. Il y avait tout ce qu'on recherche, c'est bien. C'est bien, continue de douter dans ta vie, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, merci. Candidate numéro 2, c'était bien, voilà, merci, voilà. Merci. Candidate, ne m'obligez pas à rentrer dans le tas et à vous fracasser. Candidate numéro 3. Elle est partie, je crois. C'est pas Chelsea, c'était Chelsea, non? Ouais, c'est Chelsea, attendez, je vais la voir. Chelsea, c'est une poule mouillée, elle a peur. Elle a peur? Pourquoi elle a peur? Je sais pas, elle voulait pas chanter. Pour chanter? Attends, je vais l'appeler. Ah, faut pas qu'elle rêve, tranquille, c'est la rigolote. Après, ils sont timides, regarde, c'est comme ça. C'est juste... Je suis timide aussi un peu. Elle a fui devant ses responsabilités. C'est pas grave, alors candidate numéro 4 devient candidate numéro 3. Non, elle arrive. Ah, ok. Tu l'as menacée ou? Ah ouais, ok. Ah, voilà. Yalla, tu vas chanter, vas-y, chante maintenant. Tu t'appelles comment? Non, mais reste comme ça, Adnan. Vas-y, du coup, tu t'appelles comment, madame? Chelsea. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille au truc de linge, je sais même plus c'est quoi. Truc de linge, super, truc de ouais, linge. Ouais, le clean, je sais pas quoi là. Ok, ouais, clean quelque chose. Macaul. Ouais, c'est ça, Macaul. Non, c'est plus ça le nom, c'est plus ça. Et du coup, qu'est-ce que tu veux nous chanter? Bah, une musique de ton enfance, je sais pas, t'as eu une enfance quand même, non? Non, j'en ai même pas, mais. Mais t'as pas eu d'enfance? Mais si, mais j'ai même pas d'idée. Hein. Mais je sais pas, au clair de la lune, n'importe quoi. Une souris verte. Promenons-nous dans les bois. Je sais pas, un truc comme ça, quoi. On peut l'accompagner? Elle va où? Ah non, 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 elle va pas se faire. Ah non, non. Non, mais y'a pas de quoi stresser. Elle est bien entourée. Regardez, Adnan, il est avec elle. Ouais, là, je suis. Allez, Chelsea, allez, on t'écoute. Bon, écoute, ça va être ça. Soit tu chantes, soit tu te prends une balle dans la tête. Y'a pas d'entre deux, tu vois. Ouais, mais c'est écoute, ce cas-ci. Ah non, 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 non. T'as 10 secondes. 1, 2, 10. Vas-y, chante. Mais je sais pas quoi chanter. Allez, mais on t'a donné des pistes. Vas-y, chante une souris verte. Oh, digging, tu peux chanter ce que tu veux. Tu veux chanter quoi? Tu veux chanter quoi? Une souris verte. Voilà. Vas-y, vas-y, de l'émotion. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Mais non, mais. Vas-y! Trempez-la dans l'île. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot. Tout. Putain, vous la connaissez mieux que moi. Tout. Mettez-la dans ma culotte. Elle me fait trois petites crottes. Mettez-la dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait tout noir. Bah oui! Voilà. Bah oui, c'est tout le monde qui connaît ça! Mais classique, regarde! Meunier, Tudor! Tout moulin, va trop vite! Tout moulin, va trop fort! Ça, c'est la base, wesh! C'est la base! C'est la base! Bah, tu veux que je te chante quoi, wesh? Tu connais pas Meunier? Tu connais pas Meunier? Quoi? Mais voilà que t'as pas eu d'enfance. Attends, t'es né dans une grotte ou quoi? Bah franchement c'était bien, Chelsea, on... Ça va, c'était bien. Franchement, c'était mieux que la candidate numéro 1 en tout cas. Vas-y, chien. Ouais, clairement. Vraiment, Chelsea, bravo. Il y avait de l'émotion, il y avait... Tu as... Eh non mais écoute, tu avais double stress. Tu avais le stress de l'arme plus le stress, le trac. Donc franchement, t'as géré. On a senti que tu vois, tu t'es pas senti... Tu t'es dépassé, tu t'es surpassé même. C'est super. Et on a senti que t'étais concerné par ton sujet, c'est bien. Ah oui, on a ressenti la petite... Quand tu chantais, je voyais la petite souris en toi, en fait. En tout cas, merci. Merci, elle a trop beau de mettre la carte. Voilà. Candidate numéro 4, s'il vous plaît. Rentrez. Starfallah. Oh non. Oh, Onizuka. Oh non. Bonsoir, madame. Sur la croix, Tara. Allez, moins un point. On n'est pas en garde à vue. Les mains le long du corps, pas derrière. On sait jamais ce que vous avez dans les mains, madame. Voilà, merci. Voilà, merci. Alors, madame, présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Octavia Winter, j'ai 23 ans et je suis membre du LSPD. C'est algérienne. Ouais, nationalité. Ok. D'accord. Mais c'est pas dire que tu vis ici que t'es pas algérienne, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, c'est des origines, mais c'est pas grave.
Je suis pas viré là, je vis ici. Hein. D'accord, Madame Octavia, du coup, qu'allez-nous nous intituler? Du coup, vous allez chanter quoi? Octavia, tu veux nous chanter quoi aujourd'hui? Vous me stressez, attendez. Non, mais attends, du coup, Octavia, tu vas chanter quoi du coup? Ouais, les mains, pas l'arrière, s'il te plaît, par contre. Ouais, on sait jamais. Voilà, un bol d'air. Non, y'a pas, tu te sens plus à l'aise. Sur le long du corps, point. Merci. Mais pas en Javé, là. L'autorité, hein. Voilà, c'est... Donné... c'est ça qu'il faut. Ça qu'il faut. Du coup, Karima, tu vas chanter quoi? Du coup, je vais chanter le refrain seulement de Soulman. C'est bon? Voilà, vas-y, c'est super! Allez, c'est super! Bien. Allez-y, Mademoiselle Winter. Ok, d'accord. Un, et deux. Et 1 et 2 et 3. Ewa. Pour non, pour. Négatif. Non, mais non, mais. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu veux te retourner? Si je vous vois pas, il y aura moins. Ferme les yeux, mets les mains devant tes yeux. Oh là là. On dirait qu'elle porte des lunettes. Attends, mais tu crois, genre, lors de la compétition, tu vas dire aux gens de se tourner ou toi tu vas te tourner? Ils sont obligés de te voir. Bah oui, comme The Voice. Mais t'as cru que t'étais Casper ou quoi? Non, on veut te voir, nous, on veut voir. Ok, attendez, je stresse. Voilà, on dirait un exposé, oui, c'est grave. On dirait c'est moi, quand j'étais là pour présenter, quand j'étais en CE2, c'est moi, j'avais pas pris ma poésie, regarde, tout le monde avait appris. J'étais en mode, le renard arriva dans la maison et... Ah, j'ai oublié, merde. C'est bon. Attendez, chut, silence, s'il vous plaît, silence. Je suis en train de t'imaginer maintenant devant un tableau en train de Voilà, la pire bah allez, Octavia, allez-y maintenant, c'est votre tour. Hein? Attendez, c'est à vous. S'il vous plaît, Amine, s'il vous plaît, deux secondes. Ah, mais à un moment donné, il y a d'autres candidates là-haut, bon, Octavia. Allez, madame, commencez, sentez-vous à l'aise. Vas-y. Je ne suis. Ok. Attendez. Vous êtes comment dans votre tête, Octavia? Tu parles à qui? Non, je me parle à moi-même. Alors, du coup. Oui, ça fait peur. Je ne suis qu'un soul man, écoute. Je vais rajouter une difficulté. Je pense un superman loin de là. Laisse-moi mes esprits. C'est passé les paroles. Putain, je me suis failli. Je peux recommencer? Allez-y, recommencez. Allez-y, bien pourquoi sûr. Vous vous avancez? On rajoute une difficulté supplémentaire, allez-y. Ok, d'accord. Je ne suis qu'un soul man, écoute ça, baby. Je pense un superman loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir, mais en fait... Eh, vas-y, je rigole aussi, c'est de la triche, c'est bon, moi j'ai fait ma partie. Hey. Super, bravo, merci pour cette interprétation extraordinaire. Meilleure que la première. Hein. Ouais, meilleure que la première, en tout cas. Meilleure que la première, bien joué, Octavia. Non, on a ressenti l'émotion, on a ressenti le chrénis, on a ressenti le zbel, on a beaucoup... Tu évacues et tout, t'inquiète. Candidat suivant, s'il vous plaît. Numéro 5, please. Numéro 5, sinon on vient la chercher, on vient lui tirer par les cheveux. Encore une flic. Oh putain. Voilà, encore une. Okay, Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Ou madame. Comment t'appelez-vous? Comment t'appelez-vous? Xena. Xena. Oui. Vous êtes prêt pour une guerrière ou quoi? Non. Ok, vous avez quel âge? C'est une guerrière. 21 ans, d'accord. Madame. Faites-vous dans la quoi aujourd'hui? Attends, faites-vous dans la vie. On sait très bien qu'elle est hanouche. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ok, on se tait. Vous êtes congolaise? Oui. Super, vous appelez comment? Condoléances, salutations, désirées, jouissance, victoire, Jesus Power, mallette de cuir. C'est raciste ça. Mais non, c'est réaliste. Madame, c'est réaliste. Vous êtes quoi? Vous êtes arabe? Non, pas du tout. Ah non, je vis ici, je peux pas être arabe si je vis ici. Ah oui, c'est logique. Bon, Léna, quelle musique de Magic System allez-vous chanter? Qu'allez-vous danser? Quel Zoukoulou Kata? Oh, c'est la même chose, hein. Allez-y. Ah, vous savez pas quoi chanter? Bah, chantez le Roi Lion. Je connais pas. Ah bon? La Reine des Neiges, comme tout le monde la connaît. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous connaissez? Attendez, s'il vous plaît, Léna. Kirikou? Léna. Pendant tout ce temps, il y a eu 4 candidats qui sont passés. Vous avez eu le temps de réfléchir à une chanson. Et là, vous arrivez là et vous me dites, ouais. C'est pas géré ça, Léna! C'est stressant avec vous quatre là, enfin. Bon, arrête, on fait rien, on est gentil, on vous aide! Non. Bon, une musique de votre enfance alors? Pierre, je vais chanter. Pas une enfance, ça va nous dire. Elle va chanter du lacrime, ça se voit. Dire The Blue Dance? Non, déjà fait. Déjà fait. Négatif, c'est déjà fait. Sérieux? Ah bah oui. Mais y'a pas qu'une souris verte dans la vie quand même! Du logobi! Ça, t'as pas une vraie musique ça? La tribu de Dana? Je sais pas moi. Si je te fais. Baby, you know what's name. I'm gonna. Dis la gomme, j'abam! Ouais, mais
Moi et l'anglais, ça fait deux. Bah, chante en français. Chante du Lacrim, toi, ça se voit que t'écoutes du Lacrim. Du Jul, chante du Jul. Sentez-nous Aya Nakamura. Ah, ce que tu veux. Aya Nakamura. Ouais, du Jul, vas-y, Jul, 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 vas-y. Oh, déjà, déjà. Ah, Aya Nakamura, je peux? Bah, bah oui, on t'a dit de musique. Pour sentir votre temps, vous connaissez. Attendez, attendez. Je vais sortir mon téléphone. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Tu connais Céline Dion ou pas, Céline Dion? Oui. Bah, vas-y, chante. Chante Titanic, Titanic. Pleurez les mecs. Hamid, Hamid sécurité, Hamid sécurité. Non. On va, il va être sorti par la sécurité. Apparemment c'est le concierge. Il y a pas de concierge, je crois, c'est nous les concierges. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est lui, c'est le con, lui c'est le con. Sort d'ici le concierge, sort d'ici. Je te jure, tu prends une balle. 3, 2, 1. Sors d'ici le concierge, tranquille, ouais, voilà. C'est bon, y'a plus de concierge. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timiniques. Il m'a dit baby, mama, pardon. Fais doucement, je pète les ponts. Comme un hic. Et quand tu mens comme ça, je suis qu'à 40%. Incroyable. Là, le remise dans le sang de loin. Elle est incroyable. C'est une déchetterie, c'est une déchetterie. Incroyable. Incroyable. Eh, on a grave kiffé. Eh, on a senti l'émotion, on a senti le zbel, le renez, l'huile, on a tout senti. C'était incroyable. Eh, j'étais à deux doigts de chialer. J'avais l'impression de voir Aya Nakamura là devant moi là. Incroyable. Merci en tout cas pour ce moment magique. On a attendu mais ça valait le coup. Ça valait le coup. En tout cas, c'est la première les gars. Incroyable. Ah bah loin devant la première. La première, rien à voir. La première, c'est bon. Là, elle est dans le rétro la première. Quel rétro, incroyable. Elle est dans le métro, frère. Ça y est, c'est fini. Candidate suivante, s'il vous plaît. Numéro 6 déjà quand même. Chou chou chou. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Elle a Haïza. En plus, elle va directement sur la croix. Voilà. Elle royale va nous chanter du L.I.M. Bon, madame, comment vous appelez-vous? Moi c'est Catalina. Salut Catalina. Comment? Catalina, chantez. Catalina. Ah, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Ah, vous nous venez d'où? D'Algérie aussi? Du Salvador. Ah, c'est pareil, c'est la même chose. C'est... Ouais, Algérie, Salvador. Ils sont énervés, C'est au même endroit. Vous faites quoi? Vous faites quoi dans la vie, madame? Je travaille au Paletto Garage. D'accord, donc chômeuse. Chômeuse à plein temps. Ensuite. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter, Madame Catalina? Je vais chanter Maman de Louane. Ah, ça c'est bien. Ah, là j'ai dit oui. Là, on vous écoute. On vous écoute. Bon, je suis un peu stressée. Hein. Mais non, il faut pas. Faut pas. Tu veux un coca? Tu veux déstresser? Tu veux un coca? Non. Attends, j'ai une idée. C'est parce qu'on est devant toi, c'est pour ça que tu stresses. On est d'accord? Si. Ouais, c'est normal. Regarde, là tu vas être dans le noir, tranquille, là tu pourras chanter. Vas-y, fais tranquille. Allez, là c'est moi stressé. Là, tu ne vois pas, là c'est bon là. Là t'es tranquille. Je me stresse du coup de voir tout noir. Voilà, attends, tu stresses quand tu nous vois et quand tu vas te voir, faut choisir. Dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine. Oui, la mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours. Y'a du khnaz, y'a du khnaz, y'a du khnaz. Des restes dans les métros, des gratte-ciennes de regardons. Comme un oiseau sous les bâtons. Venez, on se met tous à côté d'elle quand on arrive le truc. Maman, regarde comme ta fille est faite. Maman, je trouve pas de sens à ma quête. Maman. On adore, on adore. Allez, je peux m'arrêter? Magnifique. Oui, vous pouvez poser le sac. Il n'y a pas de soucis, d'accord. Ah. Volé. Ça va mieux? Ça va mieux. Alors franchement, alors déjà... Par rapport à la première candidate, vous êtes clairement au-dessus. Alors là, on a senti l'émotion, on a senti... Franchement, on a vibré avec vous. J'ai vérifié, hein. Mon téléphone n'était pas sous vibreur, hein. Mais là, j'étais en train de trembler. C'est incroyable. Ah, il y avait de l'émotion, il y avait de la sensualité, il y avait... On dirait que c'était un chat qui était en train de chanter. Il y avait tout. C'était félin, c'était sauvage. John, petit chat qui gagnait. On dirait que c'était lui qui chantait, quoi. C'était magnifique.
Incroyable, c'était incroyable. C'était comme comme la tour Eiffel. D'accord, allez. Madame. Astaghfirullah, c'est Jean. Oh là là. C'est Jean. Oh là là. Oh putain. Ah attends, on m'a soufflé à l'oreillette qui est une nouvelle candidate en plus qui était à bon attendre. Elle va arriver, elle va arriver. Comment elle s'appelle? Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Pas trop stressé? C'est à mort. Ah bon? D'accord. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Moi c'est Jean. D'accord. Faites quoi dans la vie Jean? Je suis journaliste. Vous êtes célibataire? D'accord. Non. Ah, première mauvaise nouvelle pour Hamid. Okay. Hamid dégoûté. Ah, moi, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, nous intituler ce soir? Je vais vous chanter une chanson longue avec une petite instru, ça vous dérange pas? Non, ah non, non. Vous avez tout le temps. Donc la chanson est douce. Oui, bah allez-y. J'ai envie de chialer, les gars. Hamid est sorti avec ça, putain. Je sais pas comment il a fait. C'est pas mieux ta première, hein. Ouais, d'accord, hein. C'est pas fou, hein, franchement. Ah, c'est pas fou. Hein. Ouais. Elle a pas de voix de fou, hein. Je pense que je chante mieux. Il manque quelque chose, hein. Non, c'est pas top. Je vais lui donner quelques conseils à la fin, quand même. J'ai mal aux oreilles. Y'a pas cette rince, c'est trop non, fluide là. Ouais, c'est éclaté quoi. Ça ressemble pas à Miss. Franchement, une souris verte c'était mieux en vrai. Voilà, je sais pas ce qu'elle fait là en réalité. Je crois que c'est du créole, là, on est plus dans l'anglais là. Ouais, on comprenait quelque chose. Demandez à Léna de traduire. Ouais, c'est un incroyable talent, c'est pas Los Santos elle. En ça, on est d'accord qu'elle chante pas. Ouais, c'est trop bien, mais ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Non, mais c'est pas ce qu'on recherche. Mais là, on parle entre nous, quoi. On est d'accord qu'elle chante super bien. Oui. Je pense qu'on est des élus, c'est trop bien. C'est trop bien. Bien sûr, bien sûr. Bah, attends, vous voulez parler en premier, Anas, vous voulez parler en premier, donc. Je suis un peu perplexe moi les gars, par rapport à ce que j'ai entendu en vérité. Je sais pas, JD, il manquait pas mal de choses, il manquait de l'émotion. Mais j'ai aimé la lacunes mais principales. Bah oui, mais les, écoute, les excuses c'est pour les faibles, d'accord. Donc j'ai pas ressenti, j'ai pas eu de frissons, j'ai pas vibré. Honnêtement, j'ai préféré vraiment la souris verte, hein. Là je comprenais pas ce que tu disais. J'ai hésité avec la souris verte moi. Donc, désolé, c'est pas ce qu'on recherche. Je suis un peu déçu, quoi. C'est de la merde. Non, j'irai pas dire que c'est de la merde. Mais le jury, c'est de la merde. Tu m'as fait vibrer, meuf, c'est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais. Attendez, par contre, des candidates, vous parlez, mais on va voir quand ça sera l'épreuve cuisine. Bref, écoutez bien les avis des chacun. Là, c'est au tour de monsieur Kefta de donner son avis. Voilà. Il y a une épreuve cuisine. Non, n'aie pas peur, t'inquiète, on va pas te faire des pâtes. Alors, moi, de mon avis, voilà. Moi, je pense que ça manquait vraiment d'émotion, ok. Je pense qu'au niveau de la voix, de la corde vocale, il y a quelque chose. Donc, il y a moyen. Ouais, si, je fais du coaching à mes temps. Au niveau de la voix de coachage, il y a quelque chose à faire. Après, ce qui manque, c'est peut-être le souffle. Est-ce que tu fais de la piscine? Non, voilà. Donc moi, personnellement, je te conseillerais de faire un peu de la piscine de temps en temps, ce qui va permettre de perfectionner ton souffle. Et par exemple, fais. Pour voir. Ah, t'es pas capable. Bah ouais, bah oui, c'est là, c'est là. Tu vois. Pas capable. Allez, t'es prête pour un autre essai? Ouais, bah non, tu l'as pas. Kefta, je pense qu'elle doit faire un stage spécial chichette au Maroc, à mon avis. Moi, je Non, elle a pas le physique, c'est mort. Non, sinon, dans l'ensemble, ça va, mais pas mieux que la petite souris verte. C'est le problème. Ah, clairement. Voilà. On va être honnête avec toi. Et du coup, c'était du créole, on est d'accord? Oui, exactement. Ok. Non, c'était super bien, on a tout compris en créole, c'était magnifique. Et puis voilà, bonne chance. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien écouté l'avis de mes collègues. Mademoiselle, c'est quoi votre nom encore? Jean. Oui, Jean. En tout cas, c'était très agressif votre musique. J'ai pas compris pourquoi. Non, on dirait que vous étiez une revanche contre la vie ou je sais pas quoi. Ah, ça se voyait que t'avais le seum. Comme si Zama t'avais une relation avec Hamid, il t'avait largué, un truc comme voilà, ça. Voilà, comme si tu vois Zama, tu crois que Hamid, c'est Hamid, ça. Hamid, pas de toi, je pense c'est ça, on sentait une douleur. On a senti, tu vois, à l'intérieur de toi qu'il y avait un problème. Tu vois ce que je veux dire? Zama, on lui dit que tu résorisais tes problèmes.
Ah, tu les as trop mélangés à la musique, ça sentait les problèmes. C'est pour ça que je te dis la vérité. Voilà, même là, elle a fait mieux que toi. T'as vu ce que je veux dire? Ouais. Ah, vraiment, c'était de la merde. Je suis déçu. Merci. Hein. Je suis déçu. Mais t'inquiète, ça se voit que tu peux mieux faire et tout. Ouais, je pense que culture générale, tu vas te rattraper. Culture générale. Ouais, si tu m'as l'air d'être pertinente comme fille. Hamid, du coup, Hamid, par contre, on veut un avis objectif parce qu'on sait qu'il y a une histoire d'amour que vous avez couché ensemble. Donc, sois objectif, s'il te plaît. Ouais, d'accord, on va essayer notre objectif. Bon. Chat dans les gorges. Jean. Oui. Tu sais que je t'aime bien en réalité, tu vois. Il y a pas de problème, tout ça. Mais là, ouais, il va recommencer à lui ouvrir ses sentiments. Il va l'appeler bébé à la fin, wesh. Dire bébé, je t'aime, je suis désolé, tout ce qui s'est passé entre là, nous. C'est simple. Là, il va se mettre à genoux, veux-tu te marier avec moi. Là, c'est le côté professionnel, Jean. D'accord. Oui. Ne m'en veux pas sur ce que je veux te dire, mais j'ai senti aucune émotion à travers cette chanson, Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta faute. Ah, oulala, oulala. Ah, dispute de couple. Comment ça, c'est de ma faute? Tu m'as brisé le cœur. Je t'ai dit, Jean, tu peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur, voilà. Mais je pensais pas. Là, Jean, là, le problème, là, on a dit, laissons tout ce côté-là. Là, c'est le côté professionnel. J'ai l'impression. Est-ce que c'est à cause du tresse? Du quoi? Les tresses? Qu'est-ce qu'elle veut avec le glauque là? C'est à cause du tresse. Oui. C'est ça? Ami avec le glauque là-bas. Ok, du coup. Mais elle est loin dans sa tête, elle est pas normale. Elle est en train de ramper. Ça fait une heure, elle est comme ça. Tout à l'heure, elle rampait au début de l'émission. Pourquoi choisir une chanson si compliquée en réalité? Pas. Bon, j'ai l'impression que ça tourne à la dispute du couple. Voilà, je préfère mettre fin au débat. Voilà, excusez-nous. Voilà, Hamid, c'est bon. Pareil, conversation. Non. Dès que c'est Jean, tu lui parles plus, d'accord? C'est réglé. Bon, voilà. Okay. Jean, t'inquiète, encore tes chances. Hein. Oh, on a enchaîné. On va appeler la dernière candidate. Donc, candidate numéro 8, s'il vous plaît. Il y en a une dernière. Vas-y, mets-toi sur l'accroissement. Mais on a dit candidate, pas candidat. C'est une dame, moi aussi, je crois que c'est un monsieur. Ah, c'est. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Yandere. Indra, vous faites quoi dans la vie, madame? Je suis chanteur, enfin chanteuse. Ah, voilà. Déjà, là, ça commence à... C'est un lapsus. Et quel âge? De la terre. Non, c'est parce que je fais les deux. D'accord. Quel âge? Et j'ai 22 ans. Quoi? 22 ou 23? 2 ans. 22. Ouais, 23, vas-y. Je savais plus, mais si, j'ai que 22 ans. Ouais, ça va. 3 ans de prison, donc... Ah, ça va, 3 ans, ça va. Vous venez d'où? Salvador. J'ai du Salvador, sans Salvador. Ah ouais. Tout le monde de Salvador. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter? Je vais vous chanter un son qui me tient très à cœur, que j'écoutais quand j'étais petite. Ouais. S'appelle Tragédie et O. Ah non, mon dieu. C'est... dur l'enfance. Dur. Okay. Enfance allez-y, difficile. Hein. Allez-y, on vous en prie. Par contre, c'est a cappella, j'ai pas prévu. De... Oui, a cappella, Marrakech, à Mohammedia, ce que tu veux. Ah, pareil, vas-y. Okay, voilà. Oh yeah! Ouh ouh! Ah, j'aime beaucoup! Tragédie! J'aime beaucoup! C'est la copine de Hamid. J'aime beaucoup! Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Touche-moi, je suis là! Eh oh! Oh 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 oh! S'il te plaît, réponds-moi, mon Dieu suffira, J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'émotions. Mes oreilles, mes oreilles, Combat de ta fenêtre. Ouais, stop, on a compris. Ça y est, on a compris, mes oreilles, madame, ça y est. Montrer que oui. Là. Ouais, je sais que je suis là. Ça y est, stop. Wouh. Mais on va surtout être libéré là, je pense là. Waouh. Alors franchement, pour moi, vous êtes la meilleure candidate qu'on ait aujourd'hui. Mais vraiment, il y avait tout. Il y avait du renaissance, il y avait de l'émotion, il y avait du style, il y avait des claquettes, il y avait une casquette à l'envers. Mais c'était incroyable. Mais j'ai vibré, j'ai frissonné, c'était jovial, c'était animal, c'était félin, il y avait de tout. Franchement, il y avait de tout. Un grand bravo à vous, Leandra Gatto. Franchement, bravo. Merci. Donc, délibération pour l'instant, place. Oh, la dernière, hein. Franchement... candidate numéro 8 en numéro 2. Après, t'es allé, n'oublie pas, on a d'autres épreuves, non? Mais pour l'instant, l'épreuve musicale, là, franchement, j'ai vibré. La vérité, moi, pour la musique, je mettrais la candidate numéro 8.
Ah oui, position. Ah pareil. Souris verte. Souris verte en deuxième. Souris verte en deuxième. Non, souris verte. Et celle qui avait le sac sur la tête aussi, elle sortait trop bien. Catalina. Bon, bah, Catalina, c'est ouais, ah ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, bah parfait. Bah du coup, on va passer, on va passer à l'épreuve de culture générale. Mesdames, nous allons passer actuellement à l'épreuve de culture générale. Nous appelons la candidate numéro 1, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est... est-ce que vous pouvez vous représenter brièvement, s'il vous plaît? Moi, c'est Dr. Clyde. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 celle qui sait pas trop chanter. Ouais, ouais, c'est okay. Ses parents sont morts et tout. Ok, ok. On va vous poser chacun notre tour une question de culture générale. Bon, la difficulté ne montera pas crescendo, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Clyde, je commence. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Ok. Quelle est la capitale de Belize? Vous avez 10 secondes. Il n'y en a pas. Très bonne réponse. Alors, deuxième question. Elle dit, y en a 8 pas. Fois 9. Elle me parle. 72. Ah, non. Ah, dommage. Non. Dommage. C'était presque. Dommage. Dommage. Donc, une bonne réponse pour le moment. Dommage. Adnan. En quelle année monsieur Pierre de Coubertin a sorti sa fameuse phrase aux Jeux Olympiques là? Vous pouvez me répéter la question, j'entends pas. S'il vous plaît. Non, trop tard, faut l'écouter. Mais moi j'ai oublié, c'était quoi ma question? De Coubertin, il y avait. Ah ouais, Pierre de Coubertin, quelle année il a fait l'annonce là aux Jeux Olympiques et tout? Bah, le plus important c'est de participer. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bah bon, bravo! Bravo, ok, deux bonnes réponses. Hamid. Ok, très bien. Qui est actuellement le président de Cuba? Bass. Hein? Abbès? Très bonne réponse, très bonne réponse, c'est Abbès! Très bonne réponse! Bravo! C'est ça, bien joué, bien franchement, joué. Franchement, bien joué, bien joué. Elle est douée, elle est douée. Hein. Oh, franchement, en musique, elle est éclatée, mais en culture générale, elle est incroyable. Chapeau, vraiment. Franchement, bravo, bravo. En tout cas, merci pour vos réponses, madame. Candidate suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu votre prénom? Moi, c'est Mia. Ah oui, Mia, ça va? Ça va, Mia? Celle qui rampe et tout, ouais, c'est bon. Es-tu prête? Ouais. Combien de côtés possède un octogone? 8. C'est la bonne réponse, Kefta. Alors, quelle est votre adresse? Quelle est mon adresse? Oui. C'est la bonne réponse. Bravo. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. C'est un peu compliqué. Quel est votre numéro de téléphone? 14-77-90. C'est la bonne réponse! Hamid? Ok. Avez-vous un mec? Non. C'est la bonne réponse! Voir un soir. Eh, franchement, c'est vous qui avez chanté la souris verte, non? Non, du tout. C'est vous avez chanté quoi? Ah oui! Ouais, ouais, trop d'émotions, incroyable. Là, franchement, là, vous êtes bien parti, vous êtes bien parti, hein. Franchement, Sartek, hein. Candidat suivante, s'il vous plaît. Je tiens à dire, Muskena, il y en a une, elle a eu Pierre de Coubertin, quand même. Bonsoir, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Tchétchi. Ah oui, c'est vrai, Tchétchi. Écoute, Tchétchi, là, c'est l'épreuve de culture générale, on va te poser une question. Chacun notre tour. Est-ce que tu es confiance en toi, Chelsea? Ah oui, je vais zéro. Quel animal est l'ancêtre des oiseaux? Hein? Quel animal est l'ancêtre des oiseaux? L'oiseau. Ah, c'est là, vraiment. L'oiseau, c'est quoi ça? Franchement, c'est simple. Ouais, hein. Ouais, c'est l'oiseau, hein. La bonne réponse était le KFC. C'est dommage. Oh, Kefta, à toi. Alors, Chelsea, quelle est votre couleur préférée? Rouge. Et c'est la bonne réponse! Non. Ah, on va dire le rose, ça, c'est ça? C'est la bonne réponse! Non. C'est quoi la bonne réponse? Elle emporte sur elle. Mais ça veut rien dire, regarde ça. Ah, si, c'est un bon indice! Non. Ah, si, c'est un indice! Mais non, regarde, elle a les cheveux rouges, rouquins, bizarres. Justement. Je vous déconne? Du noir? Et voilà! Voilà la bonne réponse! Et voilà la bonne réponse! 2 points pour vous! Le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, messieurs. Bon, c'est... Moins deux points, toi! Voilà. 8 points, moins 8 points. 2 points! Dans quelle ville d'Angleterre se trouve l'équipe de foot Chelsea? De quoi? C'est mes questions, c'est quoi? Quelle ville d'Angleterre se trouve la ville Chelsea? Non, dans quelle ville d'Angleterre se trouve le club de foot Chelsea? C'est simple, hein. C'est simple. Hein. C'est super simple. C'est simple, franchement. Bien joué! Et c'est la bonne réponse! Tu dis quoi?
Elle a dit Chelsea, c'est pas ça, mais. Ah, oui, c'est bravo, ça. Bravo, bravo! Bravo! Plus de points. Plus de points. Hamid? Ah là là, je voulais pas en arriver là pour cette question, mais bon, à un moment donné, il faut bien lâcher. Chelsea. Chelsea, pourrais-tu quitter ton mec pour moi? Chelsea. Ouais. Ma question est claire, nette et précise. Il n'y a qu'une seule réponse. Pourrais-tu quitter ton mec pour moi? Oh! Attention, c'est des points. Ouais, là, en plus. Il y a beaucoup de points. Non, hein, ouais, non. Ah, la Dewa, la Dewa. Alors, du coup, oui ou non, oui. Et c'est la mauvaise réponse. T'as deux doigts d'être éliminé. Éliminez-moi. Allez, va derrière le rideau. Soup. Allez, va. Dommage, c'était très bien. Suivante, s'il vous plaît. Oh non, pas elle, putain. Oh, pas elle. Bon, tu ignores. Rebonsoir, Octavia. Bonsoir Octavia. Bienvenue dans l'épreuve de culture générale. Je vais on commencer. Peut le dire général. Je vais vous poser la première question. Est-ce que vous êtes prête? Oui. D'après le Guinness Book des records toute année confondue, quel est le plus beau pays du monde? L'Algérie. Mauvaise réponse. C'est la mauvaise réponse. C'est moi le jury. C'est moi qui pose la question. Une autre question. Quel est le pire pays du monde? Le Maroc. La mauvaise réponse. Ça fait deux mauvaises réponses. À deux doigts d'être éliminé. À deux doigts d'être éliminé. Moi j'ai une petite question, ok. Alors, quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 20 en 1953? Bah de 1920 à 1953, qui a dirigé... 1920 à 1953, qui dirigea l'URSS? Peut-être Fika. Oh, starf. Non, mais c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bouteflekin. C'est... Ouais, Bouteflekin. Comment s'appelle la fameuse map dans Black Ops, connue de tous les temps par tout le monde? Quoi? Quelle est la map la plus célèbre dans Black Ops? Ah ouais, la question de Matrix. Ouais, c'est la question, mais moi je sais même pas c'est quoi. Ouais. Bravo! Nuketown! Ouais, le jeu! Bravo, bonne réponse, Adam. Octavia, j'ai une question, et ça sera la dernière question. Imaginons, serais-tu prête à quitter ton travail pour moi? Non. Et c'est la mauvaise réponse! Deux mauvaises réponses pour Octavia, deux doigts d'être éliminé, d'être percuté par un train. Le passif est lourd. Le passif est lourd. Allez-y, derrière le rideau, allez hop. Oust, je veux plus vous voir Octavia. Candidate suivante. Rebonjour. En quelle année Picasso a-t-il inventé le cubisme? 1958. Bien joué! C'est la bonne réponse! Magnifique! Tac au tac! Allez, moi, c'est une petite question simple. 18 divisé par 5,25. 5000. Non, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. En quelle année et dans quelle ville est mort Papa Wemba? Pourquoi cette question, je peux savoir? Culture générale. En 2002. C'est faux, il est pas mort. Il est même pas mort. Il est sur l'île avec Michael Jackson et tout quoi. Eh ouais. Ah bon? Hamid, à ton tour. Quelle fut la première chanson de Magic System? Premier Gaon, c'est ça? Attends, chante pour moi, chante. Chante, on sait pas, on a pas compris. C'est Premier Gaon. Bangawo. Nangelewa, c'est ça? Nangelewa. Non, c'est pas ça. Non, c'était Aïcha. Gawa Oran, madame. Gawa Oran. Ouais. Oran. Allez, hop. Oran. Désolé pour vous, hein. Candidate suivante. Deux autres éminés aussi. Ah, notre presque gagnante du jour. Catalina, c'est bien ça? Si on vous demandait de choisir entre la Helena ou la Sherpa, vous choisissez quoi? Éliminator, hein. Question éliminator. Non, il faut choisir. Il faut choisir, mais c'est éliminator. La deuxième, du coup. C'est laquelle? Laquelle? Helena ou Sherpa? Je me rappelle même plus. Choisissez Helena ou Sherpa. Sherpa, je sais pas quoi. Éliminé. C'est bon, vous pouvez relancer. C'est bon, vous pouvez sortir, rejoignez. Ah, vous sortez, allez hop, ça bouge. Oh, c'est bon, ça y est. Candidate suivante, s'il vous plaît. Elle a dit Sherpa, frère, elle est sérieuse, elle. T'es mal, drapeau de l'Algérie et tout. Oui, je sais quoi ça. Le moment où elle est devenue DZ, elle.
C'est... Depuis que son mec il l'a quitté, n'hésite pas à parler fort, Jean. Ça va, tu vas bien? Tu t'es remis un petit peu de tes émotions? Bon, bah ça va alors. Bon, on va te poser des questions de culture générale, d'accord? Quel président régna sur le Congo de 1850 à 2032? Ah, mais comme par hasard. À 2032, c'est-à-dire après? C'est-à-dire. Bien joué! Mais elle a trouvé! Elle a trouvé, Tobias! Tobias, bien joué! Kartek! Bien joué! Kartek! C'est qui qui a chanté? Oh, je suis fire! Tobias Fell! Voilà! Ouais, je sais pas, attends, mais elle est incollable! Elle est incollable en plus! Moi, je pensais que c'était l'autre là, Bob Marley! Jean. Non, c'est pas Tobias. C'est quoi, je crois? Eh, Jean, combien mesure Mimimati? Combien de mètres mesure... Non, combien de mètres mesure Mimimati? Moins de 1. Faux. Ah non. 3. Elle fait 3 mètres, oui. Voilà. Ah bah ouais, mais t'as dit moins de 1 au début. Ouais, au début t'étais excitante, c'est pas bien. Donc c'est un demi-point du coup. Ok. Hamid. En quelle année la tour de Pise a-t-elle été créée? Non, c'est pas ça. Ah non, attendez. Non, excuse-moi, changement de question. Serais-tu prêt à te convertir pour moi? Sérieux? Jean, j'ai une question, Jean. Ah là là. Attention, cette réponse a une influence direct au niveau de la suite. De ta vie, des battements de ton cœur même. Ok. Jean, imaginons que nous soyons ensemble. Oui. Serais-tu prête à changer de religion pour moi? C'est quoi ta religion? C'est une relation de frère. On est tous ensemble là. On dirait qu'ils se découvrent à chaque fois, tu sais. Il pas de ça entre nous, Jean, à un moment donné. Non, ils étaient ensemble. Changer de religion pour toi, ça... Est-ce que j'aurai un joker? Non. La réponse est oui. Non, t'auras le droit à un foulard si tu veux, pas un joker. C'est ce que j'avais compris. Non. Là-bas, s'il vous plaît, madame. Là-bas, madame. Un nom sec comme ça. Oh, ça vous dit. Ah, c'était un nom bizarre. Épreuve cuisine, vous êtes chaud ou pas? Bah, ouais, mais tu veux faire ça comment? Bah, c'est simple, on leur demande comment on fait une recette. Vas-y, vas-y. Il reste encore. Candidate suivante. Du coup, c'est Léandra, c'est ça? Du coup, Léandra, on passe à l'épreuve culture générale avant culture culinaire. Du coup, ma question est très très simple. En quelle année la peine de mort a été abolie en France? On n'a pas de droit à un 50-50 point carré ou un truc appelé un ami. Ah non, c'est cash. De toute façon, on sait très bien que t'as pas d'amis. 1933. Bien joué! Incroyable! Voilà. Incroyable! Par quel nom désigne-t-on une grand-mère cruelle? Cruelle. On ne se rend pas, non. Vous y êtes presque, ça ressemble. Aïcha Kandija, c'est Aïcha Kandija. Grand-muella. Non, une marâtre, c'est bien, c'est une bonne réponse! Bien joué! Voilà! Lors de la CAN 2019, en demi-finale, Algérie contre Nigeria, qui a marqué le coup franc à la dernière minute pour offrir la victoire à l'Algérie? Bah, un Algérien quoi. Cristiano Ronaldo. Voilà! Wow! Elle connaît le foot, hein? Ah, vraiment, hein? Cristiano Ronaldo, bonne réponse. Ok, moi c'est une. Il est des ânes, hein? Philosophique. Qui a dit... Non. Qui... Oui, vas-y. Pourrais-tu me jurer de ne jamais tomber amoureuse de moi? Question philosophique, hein, bien évidemment. Pourrais-tu me jurer de ne jamais tomber amoureuse de moi? Pouvez-vous répéter la question, pour favor? D'accord. Pourrais-tu me promettre de ne jamais tomber amoureuse de moi? Je sais que c'est pas facile, mais vas-y. Oh non, Il y a 20 pièges. Les femmes ne peuvent pas résister à ça, c'est comme ça, c'est naturel. C'est comme quand, quand t'es dans une pente, t'atterris par la gravité, c'est comme ça. Allez, oust. Moi, ça atterrit sûrement. Ah là là, les femmes, faut tout leur apprendre. Bon, après, j'espère qu'elles vont nous surprendre avec cette épreuve culinaire. Dernière épreuve, les gars. Bienvenue pour la nouvelle et dernière épreuve de Top Chef. Madame Clyde, comment allez-vous? Écoutez, enchant, vous êtes éclaté. Culture générale, vous êtes éclaté. J'espère que vous allez nous surprendre un petit peu en cuisine. Pouvez-vous nous dire comment prépare-t-on le khlir? Alors, je mets de l'eau, puis après de l'eau de javel, puis après du chloroforme. Ouais, je suis allé sérieux. Puis après du. Euh,
Je vous ai pas demandé comment dissoudre un cadavre. Hein. Voilà, le khli'a. Le attention à ta meuf, toi. Comment prépare-t-on le khli'a? Non, non, écoutez, non, la nourriture c'est très important par contre, on ne rigole pas avec ça. Je mets après des pâtes dedans, et je fais bouillir, et après c'est bon quoi. Bon, allez, Kefta, question suivante là, elle commence à me courir sur la réco celle-là. Comment prépare-t-on des pâtes, hein? Vous prenez une poêle. Une poêle? Une poêle. Poêle? Arrêtez, c'est comme ça que ma mère le dit. Une poêle. Une poêle. Ah là là, dès que les poêles. Et après, tu mets les pâtes dessus, tu fais cuire et après ça cuit. D'accord, ok. Super. Bah, ça manque un petit peu de détails, mais c'est dans l'ensemble, ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, madame, comment prépare-t-on une omelette? Poêle. Je casse l'œuf et je mets les coquilles d'œufs à la poêle et je fais cuire. C'est pas mal. Franchement, okay. C'est pas mal. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Ça donne un petit goût craquant, j'aime bien. Ouais, j'avoue. Ok, oh, bah, dernière question. J'aime bien. Attends, Hamid, attends. De chlore. Serais-tu prêt à me cuisiner ma petite coquine? Dernière question. Serais-tu prêt à me cuisiner ma petite coquine? Bien sûr. C'est la bonne réponse. Merci Madame Clyde pour cette épreuve. Ouais, ouais. Nous invitons la deuxième candidate, s'il vous plaît. Après une performance tonitruante en tant que chanteuse professionnelle et une culture générale à en faire pâlir les plus grands, nous attaquons aujourd'hui à la cuisine. Est-ce que tu es confiante? Pas du tout. Super, c'est exactement ce que vous voulez entendre. Écoute, comment prépare-t-on une ratatouille? Avec des ingrédients. Bien joué, mais encore. De la tomate. D'accord, oui. Des poivrons. Ouais, tu me poses des questions ou... Zarma, elle est pas sûre. Zarma, des poivrons. Vérification, voilà. Ok, et l'ingrédient principal de la ratatouille, c'est la harissa. Astaghfirullah. Bon, allez. Question suivante. Moi, j'ai une question. Comment prépare-t-on un grec? Ah, la gastronomie. Ou un kebab. Ça dépend comment tu vois les choses. Bah dans un kebab. C'est la bonne réponse. Bravo. Franchement, bravo. Bien joué, bien joué, bien joué. Bravo, bravo. Bon, moi, question très très simple. Comment prépare-t-on une salade niçoise? J'aime pas la salade niçoise. Et c'est la mauvaise réponse. Dommage. Hamid, attends. C'est quoi la question? J'ai une question. T'inquiète. À quelle sauce je peux te manger? Mia, imaginons un soir je rentre du travail, j'ai faim. À quelle sauce je pourrais travail, manger? Quel travail déjà, s'il te plaît. Quel travail? À quelle sauce je pourrais te manger, Mia? Chantilly. Chantilly. Ah, vraiment pas. Super, super bien, merci. J'applaudis. Candidate suivante, s'il vous plaît. J'ai dit candidate suivante, s'il vous plaît. La suivante, toujours la même qui vient en retard. Octavia, comment on se retrouve après une piètre performance en musique? Oh là là. Alors, Octavia, est-ce que tu es prête pour l'épreuve? Une culture générale, zéro aussi. Culinaire. Oui. Comment prépare-t-on la harsha? La ral, quoi? La harsha. On met de la harsha dans un assiette. Non, les ingrédients. C'est quoi un harsha? Mais c'est moi qui te pose la question, c'est à toi de me répondre. Ok, on met un peu d'eau dans une casserole, on rajoute de la tomate concentrée. Ouais. On met de la farine. Ouais. On met du sel et du poivre et tout ça. Tout ça, oui. Et après, on mélange et puis tadam, dans l'assiette. Mais c'est la bonne réponse! Bravo! Je pensais pas que t'allais répondre! Alors, franchement, c'est une question super simple. Comment prépare-t-on un ataï, tout simplement? Ah, ataï, je connais. Alors, on prend de la menthe, on fait chauffer de l'eau et on met de la menthe dedans. Ouais. Et en gros, après, on met du sucre, beaucoup. Combien? On prend en kilos.
Combien? À peu près 60 kilos de sucre, à peu près. À peu près. Pour un verre, pour un verre, pour un verre. Pour un verre. Des fois, on rajoute dans le verre, des fois, on rajoute, c'est vrai, mais bon. Ah, et t'as mis sauce, il y a des sauces, car, des sauces, car. Ça va. Je m'attendais à de la merde, mais bon. Non, ça va. Comment prépare-t-on de la zlébia? Elle est que des plats romains. Zlébia qui est évidemment une pâle copie, évidemment, de la chebakia marocaine, mais on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas grave, allez-y. Je ne vous entends pas, monsieur. Zlabia, bah, c'est la même chose, c'est de la farine, tu fais un espèce de gâteau un peu bizarre, et ouais. Après tu mets à peu près 60 kilos de miel à peu près. C'est ça, ouais, que miel, ouais à peu près. Un peu d'huile. Surtout, ouais, voilà, un peu de tout ce qui est plus gras. Plus tout. Un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu d'hypertension, un peu d'AVC. Oh, un peu de diabète, oui. Un peu de crise cardiaque, et voilà. Oh, bah, ouais. C'est cool. Bah, c'est la bonne réponse. Bah, ouais, franchement, je suis surpris. Hein. Ah ouais, ça connaît. Hamel, ok. Hamel. Ouais. Octavia, à quelle sauce je pourrais te manger, toi aussi? Tu ne manges pas, mec. Ouh. Stop. Ouh. Il y a plus de dingue depuis ma vie, une tête. Bonne question, hein. Bonne réponse. Bah non. La réponse était algérienne, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est sans algérienne, mais bon. Allez, où c'est allé? Désolé. Salam alaikum, bon. Ça dégage. Tiens, comment se retrouve la Congolaise? Tiens. Comment prépare-t-on un mafé avec des bananes plantains? C'était ma question, hein. Comme de par hasard. C'est la question de tout le monde, je crois. Sachant que du mafé, c'est sénégalais, mais bon, bref. Mais c'est pareil, c'est bon, je joue pas sur les mots. Ouais, Sénégal, Congo, ça va. Ouais, Algérie, Maroc. C'est la même chose. Okay, bah, okay. Du poulet. Du poulet. Du riz. Du riz. Du sel, du poivre, tomate, piment. D'accord. Et patates douces. Ok. Et tu passes ça avec quelle boisson? Quelle boisson? Ouais. Bah, je sais pas, peu importe. C'est pas le bissap, un truc comme ça? Le bissap. Ah, voilà, on connaît, wesh, on connaît! Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. J'aime pas trop, donc. Ouais, mais on t'a pas demandé si t'aimais bien ou si t'aimais pas. Ok, c'est la bonne réponse. Bien joué. Bien joué, c'est fair play. Je sens que les candidates là sont à fond, hein. Vraiment, je sens quelque chose d'extraordinaire. Ouais, moi, j'aurais une petite question. Comment prépare-t-on le saka? Je peux savoir pourquoi c'est plus. C'est quoi le sac à sac? Un plat congolais. Ça fait un congolais. Comme ça, c'est waouh! C'est tombé sur toi! Ah, c'est tombé sur moi, ça. C'est pas pur hasard, vraiment. Vraiment, non, le hasard fait bien les choses. On vous invite à répondre aux questions, s'il vous plaît. Tu me poseras la question. Du sac à sac. Aimerais-tu goûter ma banane plantain? Banane plantain? Cube là? Banane plantain. Incroyable, j'arrive. Parce que là, elle a trop la confiance. Tu regardes, elle a trop la confiance. Regarde. C'est son territoire, c'est sa zone, c'est son zone de confort. Du sel. Ouais. C'est ta réponse. Enfin, tout ce qui est épices. Qu'on appelle ça? Et c'est la bonne réponse, Annel, à toi. Comment prépare-t-on du pundo? Non, il n'y a pas d'épinard. Hein? Du pundo. Un pundeur. Je veux savoir pourquoi il y a tout ça. C'est le hasard. On va pas te demander comment est-ce qu'on prépare une charlotte aux fraises quand même. C'est trop simple. On veut un peu de difficulté. C'est un peu la même chose. C'est la bonne réponse. Hamid, à toi. Parfait. Ok. Lena, dernière question, d'accord. Veux-tu goûter ma banane plantain? Pas du tout. Sale gros porc! La réponse est non! Je te jure, t'es un bâtard! Non! J'ai pas très bien entendu la réponse! Veux-tu, je répète, parce que je pense que là, tu as le droit de dire ça, veux-tu goûter ma banane plantain du coup? Tu veux goûter à ses doigts? Oh bah lui, il veut bien, moi je te dis! C'est quand tu veux, mais réponds à ma question aussi. Mais t'es malade, c'est ça? Mais non, j'ai pas envie de goûter à ta banane plantain. Ok, allez, hop. Je suis mort. C'est... waouh. Il dit n'importe quoi, il répète direct. C'est pas, il dit non. Catalina, t'es suivant, s'il vous plaît. Ah oui, j'adore. Catalina, la virtuose du chant. Incroyable. Alors, es-tu prête pour... cette Catalina, c'est ça? Culinaire. Ouais, c'est Catalina. Ouais. Catalina, comment prépare-t-on une salade verte?
Avec de la salade verte. Et c'est la bonne réponse. Catalina, dis-moi, comment prépare-t-on une sopa de pata? Des pommes de terre. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Salade de pommes de terre. Non, c'est de nombreux légumes cuits avec des pieds de bœuf et des tripes. C'est un bon phéromètre pour le froid. Oh là là. Oh, la sorcellerie, c'est pas de la cuisine, ça. Oh là là. Oui, c'est ça. Mais attends, mais c'est du cereal, c'est pas de la cuisine, ça. Cuisine du Salvador sans mentionner le sopa de pata. Ouais, mais ça, c'est la cuisine de gang, ça, regarde. Attends, cette soupe généreuse contient de nombreux légumes cuits avec des pieds de bœuf et des tripes. Ah. Dégueulasse. Oh, des chayottes, c'est quoi des chayottes? On va accepter ta réponse, pomme de terre, au moins ça coupe pas l'appétit. Pomme de terre, proche. T'as juste entendu pata, tu t'es dit pomme de terre, c'est du coup bien joué. Comment prépare-t-on des tomates râpées? Des tomates râpées? Tu prends un truc pour râper et tu râpes la tomate. Des carottes râpées, excusez-moi. Bien joué. Non mais elle a bien répondu, Question piège. Ouais, c'est à mon tour. Je suis pas cuisinier, mesdames. Catalina. Tomate râpée, ouais, j'ai dit lui. Tu es mon beefsteak. Non. Allez hop, tu next toi aussi. En fait, il passe un casting à Hamid, il passe un casting pour lui-même, en fait. Et c'est la candidate suivante. Dommage, à chaque fois, Hamid, il pose une question, t'en entends une derrière, gros peur. Alors, Dean, es-tu prête pour la question culinaire? Oui, bien sûr. Comment prépare-t-on des brochettes de beurre bien grillées? Brochettes de beurre? Alors, tu prends du beurre, tu mets dans la panure, tu mets un petit bâtonnet à l'intérieur, tu fais frire, je dirais, 3-4 minutes. Tu n'oublies pas la pointe de piment d'Espelette. Ouais. Et ensuite, tu dégustes. C'est la bonne réponse! Bien joué, bien joué, bien joué. Comment prépare-t-on des spaghettis avec du kefta? Ah, c'est ce que je préfère. Alors, pour faire le kefta, il faut prendre de la viande hachée. Ensuite, tu fais cuire les pâtes, spaghettis, facile, soit. C'est la bonne réponse! Bien joué! À toi, Adnan! Bien joué! Bon, petite question très simple. Comment prépare-t-on une mitraillette hamburger? Alors, mitraillette hamburger, c'est plusieurs steaks qui me semblent empilés. Oui, deux steaks, oui. Ouais, avec du cheddar. Et vous mettez tout ça dans quoi? Dans le ventre. Dans une baguette. Voilà, dans une baguette avec des frites. Oh, magnifique, elle a pas oublié les frites. Elle est validée, hein, pour le coup. Je connais même pas Royal Mitraille Burger, c'est quoi ça? Faut le trouver en marée vite, elle. Dans les snacks à Bruxelles, c'est pour ça. J'ai une question. À quelle température veux-tu que je te déguste? Wow. Tu me disais pas un L'autre derrière c'est TPMP. Enculé. Je dirais une température ambiante. Grand pas. Intéressante, ok, ça me va. Ça me va, intéressante. Attends, je rêve, elle s'est changée 4 fois, elle. Candidate suivante. Oh merde, pas elle. Hey, quel plaisir de vous retrouver encore une fois. Question culinaire. Comment prépare-t-on du réglisse? Le réglisse, c'est très facile. On prend une tortilla. C'est la bonne réponse. C'est exactement ça. Comment prépare-t-on une barbe à papa? Alors, toujours pareil, on prend une tortilla au del paso, si t'as pas celle-là dans la main, tu me dis... C'est la machine à barbe à papa. T'es incroyable. Elle connaît tout, rien. Comment on prépare des churros? Alors, encore pareil, tu prends la tortilla au del paso, spéciale pour les burritos. Elle connaît tout. Après, tu mets un peu de farine avec de l'huile et tu fous ça dans une friteuse. Bravo! Ça vous purée. Bravo, mais t'as Ok, bon. Qu'est-ce qu'une khobza? Pourquoi tu vas pas poser de questions bizarres à elle? Ouais, pourquoi? C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai peur d'Alvaro. Ah, ok. Mais bon, Alvaro, il va me détruire s'il l'apprend.
Alors, tu prends toujours pareil, tacos, tortilla, ol de paso, de la mama, tu prends du couscous, un peu de semoule avec une merguez et beaucoup d'huile d'olive par-dessus, tu refermes et t'as ton truc. Là. Oh à boire, excusez-moi, du selecto ou du pomme si t'as pas d'huile. Voilà on le connaît, hein. Piège, un petit piège. Et la mélanda dans tout ça. Ça, faut vraiment pas avoir d'âme pour boire un truc comme ça. Ouh Hawaii tropical. Ah ouais, Hawaii au-dessus, frère. Ah ouais, c'est le top, frère. C'est fou. De gros porc. Bah super, merci, Léandra, tu peux retourner avec tes copines. Ça passe, hein. Tout le monde est passé, les filles. On se concerte. Ouais, on va délibérer. Vous pouvez discuter entre vous, manger, buvez, faites pipi. Mettez-vous dans la pièce à côté, à gauche, s'il vous plaît, derrière les rideaux, madame. Ah, ça va être compliqué. Bon, délibération totale, vous en pensez quoi? Déjà, au niveau du chant, donc c'est Chelsea, petite sur River. On s'en bat les couilles de ça. Moi, je dis soit Mia, soit Catalina, c'est tout. Mia ou Catalina? Il faut un beau visage, Ah, en fait, tout ça, c'était pour la fille. Oui, on s'en fout. On va leur faire croire que c'était serré et tout, mais soit Mia soit Katalina. Mia. Non, Kata. En fait, Kata aussi, mais le truc c'est que Mia, là tu vois, les yeux bleus, les cheveux blancs, c'est mignon, t'as vu? Bah mignon pour qui? Ça dépend, hein, ça dépend des critères. Mais bon, comment tu vois? En fait, il faut vraiment le moins de tatouages possible, t'as vu? Elle a pas de tatouage. Ouais. C'est Mia, elle en a, tu vois. Ouais, mais si elle met des habits, on voit pas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend si vous voulez, Zama, juste la tête ou le haut du corps avec un truc, Zama, il faut quand même un peu le haut du corps. Je sais pas, Catalina aussi elle est mignonne, hein. Ouais, ça passe, au pire on met les deux. Ouais, on met les deux sur l'affiche, au pire. On met les deux. Ex-aequo. Mais attends, mais le but c'était pas Miss. Non, là c'est Zama la fiche pour le jour. Non, là c'est pas le concours là, Roya. Là c'est juste les préliminaires, Roya. Il y aura des défis. Ça c'est juste pour aller faire un shooting photo au Weezy News pour faire l'affiche. Ah, d'accord. Après pour le concours, Roya, on va leur dire de mettre des tenues, etc. On va se rincer là, Roya. On fera ça évidemment après Ramadan. Du coup, les vannes, vous votez pour qui? Les deux, Catalina et Mia. Ça marche. Kefta, c'est toi, Mister Los Santos, c'est toi qui annonce les mauvaises nouvelles, croyez. Ah là là, c'était pas facile du tout, mesdames. Mesdames, déjà, l'équipe et moi-même sommes fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez fait un travail formidable, et tant dans la chanson que dans la culture générale que dans le Top Chef. Inch'Allah, c'était bien, c'était beau gosse, carré. Il faut savoir un truc, c'était très, très, très serré. On a compté au niveau des points, c'était très, très serré. La candidate numéro 3, donc malheureusement qui ne sera pas retenue, est Dragas, donc Gato, avec 65 points. 65 points, malheureusement, tu es vraiment à la limite, on a compté tous les points, on a été là, on a été clair. Ensuite, on a... Tu es vraiment déçu. Ouais, c'est les points, tout s'est joué au point, vraiment. Catalina, avec 67 points, tu as la deuxième place, donc ta place pour l'affiche. C'est un truc, c'est beau gosse. Et on a à égalité de points, ce qui n'est jamais arrivé dans l'émission. Nous avons Mia à 67 points aussi, donc qui sera dans l'affiche. Mesdames, merci pour votre participation. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter par rapport à la participation que vous avez partitionné? C'était très participatif. Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à ajouter peut-être pour les prochaines fois, quelque chose de... Petite épreuve de danse, hein, de... Alors mesdames, qu'on soit clair. Défilé. Attendez, qu'on soit clair. Ce n'est pas le concours, hein. Être présente, voilà, sur le flyer. Le concours arrivera la semaine prochaine. Il y aura une épreuve évidemment de danse, peut-être même de natation synchronisée, évidemment de vêtements, peut-être même de jet ski, peut-être même de parachute aquatique, on sait pas ce que nous prépare à venir. Voilà, donc parachute. Ah oui, gardez confiance en vous êtes belles, pas toutes, vous êtes magnifiques, pas toutes, mais gardez confiance. Bref, okay. Donc si vous avez c'est Mia et Catalina, si j'ai pas compris. Voilà, les deux qui seront sur l'affiche. C'est que pour l'affiche. Ça, c'est juste pour l'affiche. Après pour le concours, tout le monde vient. Tout le monde peut participer. Ah oui, belle, moche, comme tu veux, grande, petite.
Bon, un œil en moins, un nain. Ouais, c'est du moment que tu peux marcher, c'est bon. C'est bon pour vous, mesdames ? Ouais. Du coup, je tenais quand même à vous féliciter, mesdames. Voilà, c'était. Merci d'avoir donné votre temps. Merci à vous, monsieur. Votre voix, nous, nos oreilles, évidemment, notre patience. Prenez soin de vous. Okay. On remercie le Hamid pour ce nombre de râteaux qu'il a pris ce soir. Allez, Hamid, pour le coup, tu vas quand même voilà, raccompagner mesdames, s'il te plaît, au niveau de l'entrée. Bon, c'est la moindre des choses quand même. Allez, les deux qu'on a cités, donc Mia et Catalia, vous restez ici, s'il vous plaît. Ouais, moi, je vais juste prendre leur numéro aussi. Ah, c'est ça, c'est pour ça en fait. Allez, venez, venez. Donc, vous prenez, vous allez donner vos numéros à Jean. À Jean, putain. Et après, on s'occupe du reste. 75-17-08, c'est ça ? Parle encore une fois du Maroc. Voilà. Et je te zdah contre le sol. Que des fragiles les Marocains. On peut en faire ça ce soir à la limite. Elle n'a pas compris, moi. Cours, cours. Je vais te courir, hein. Captain, il est parti là-bas.